Bonsoir. Bonsoir à tous. Je vous propose d'ouvrir cette séance du Conseil municipal. Je commencerai par les procurations. Alors, je vous en donne lecture. Florence Hénaud a donné procuration à Armel Vallot. Marielle Garagnani a donné procuration à Laurent Lesage. Sébastien Després a donné procuration à Muriel Charles Beretti. Daniel Godard m'a donné procuration. Françoise Delolme a donné procuration à Stéphane Pillet. Isabelle Silve a donné procuration à Isabelle de Tonquédec. Laurent Bézama a donné procuration à Christian Persiot. Mehdi Elgargati a donné procuration à Lydéric Vatine. Et Sania Joliot a elle-même donné procuration à Clara Lelouette. Voilà, je vous propose maintenant de passer au premier point de l'ordre du jour qui concerne le compte de gestion de l'ex... Je refais l'appel. Stéphane Pillet, Christian Persiot, Muriel Charles Beretti, Marc Richard, Isabelle de Tonquédec, Laurent Lesage, Jean-Dominique Masseron, Dominique Demey, Jean-Paul Jaouen, Christine Mercury, Armel Vallot, Dérard Dylan Mecky, Sylvie Fabre-Stéphanie, Laurent Grillet, Pascal Leprêtre, Boleslas Palevski, Lydéric Vatine, Clara Lelouette et Benoît Nussbaumer. Je vous remercie. Alors, je vous propose de désigner un secrétaire de séance. Est-ce que tu veux bien être secrétaire de séance, monsieur Lesage ? J'accepte. Eh bien, je t'en remercie. Donc, Laurent Lesage est désigné secrétaire de séance, sauf avis contraire d'une autre personne. Donc, je vous propose maintenant de passer au premier point de l'ordre du jour qui concerne le compte de gestion pour l'exercice 2021 et ça concerne le budget principal de la commune. Stéphane, je te laisse la parole. Pardon. Alors, le Code général des collectivités territoriales prévoit que chaque année, une délibération sur le compte de gestion, budget principal de la commune, de l'exercice précédent, présenté par le receveur municipal, doit être prise, afin de confirmer sa conformité au compte administratif établi par l'ordonnateur, compte administratif que nous verrons tout à l'heure. Les comptes établis pour l'année 2021 par le trésorier principal, présentant les mêmes résultats que ceux du compte administratif, à savoir déficit d'investissement hors reste à réaliser 1 925 095,50 euros, excédent de fonctionnement 905 479,57 euros, déficit total 1 019 615,93 euros. Et n'appelant ni observation ni réserve de sa part, il est proposé au conseil municipal d'approuver le dit compte de gestion. Voilà, donc il vous est proposé d'approuver ce compte de gestion, comme vient de le dire Stéphane Pillet, dont les résultats sont conformes au compte administratif qu'il s'apprête à vous présenter. Y a-t-il des observations sur ce compte de gestion ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Je passe au deuxième point de l'ordre du jour qui concerne le compte administratif pour l'exercice 2021 et toujours pour le budget principal de la commune. Stéphane, je te passe la parole. Bien, je ne vais pas m'étaler... très longtemps sur ce compte administratif. Donc, il s'agit du compte administratif de l'année 2021, compte de la précédente municipalité. Je vais en rappeler les grands chiffres. Alors, les montants, vous avez normalement...
Voilà, j'ai sorti quelques slides du document que vous avez. Donc, vous pouvez voir qu'en 2021, en recettes, il était prévu 17 605 033 euros et en dépenses, 18 624 648. Ce n'est pas prévu, hein, c'est le réalisé. Donc, au total, les crédits ouverts étaient de 23 555 571 euros. Et vous avez un taux d'exécution, c'est-à-dire que par rapport aux crédits ouverts, quel est le montant des sommes qui ont été finalement utilisées ou qu'est-ce qui a été réalisé. Vous avez après le détail des deux sections, la section de fonctionnement. Donc, en recette de fonctionnement, donc vous voyez 15 624 000 euros. En dépenses de fonctionnement, 14 719 000 euros. Un résultat d'excédent, c'est-à-dire donc de 905 479 euros et 57 centimes. Ce résultat de l'année 2021 vient s'ajouter au résultat de fonctionnement reporté des exercices précédents à hauteur de 6 076 000 euros, 0,15 et 57 centimes. Donc, vous avez en total un résultat de fonctionnement, un excédent pour 6 981 000 euros, 495 et 14 centimes. La section de fonctionnement, ensuite, vous pouvez voir rapidement les grandes masses, dont au niveau des recettes de fonctionnement, les produits des services, 823 000 euros, les impôts et taxes pour 12 millions d'euros, les dotations, subventions et participations pour 695 000 euros, les produits de gestion courante, 315 000 euros, et des produits exceptionnels, 938 000 euros, qui sont liés en fait à la vente du 3 rue de la machine et qui a été revendue à I3F par la suite. En dépenses de fonctionnement, ben, vous avez de la même chose les charges à caractère général, 2 894 000, les charges de personnel, 5 515 000, les atténuations de produits, 2 105 000. On a vu ça dans le cadre du rapport d'orientation budgétaire. Donc, c'est à la fois le FNGIR et le SFRIF, la solidarité intercommunale. Vous avez les autres charges de gestion courante, 2 378 000. Ce sont les subventions, CCAS aux associations. Vous avez les charges financières, donc liées à nos emprunts, les charges exceptionnelles et puis les dotations aux provisions pour 300 000, 306 000 euros. Voilà, donc au total, voilà comment se décompose la section de fonctionnement. En ce qui concerne la section d'investissement, donc comme on l'a vu dans les grandes masses, les recettes d'investissement, 1 980 000 euros, les dépenses d'investissement, 3 905 000 euros, le résultat d'exécution, donc moins 1 925 000 euros, d'où un résultat d'investissement reporté de 9, et un résultat par contre d'investissement reporté de 915 680 euros. Donc en fait un résultat d'investissement déficitaire de 1 009 414,90 euros. Enfin bon, bref. Par chapitre, comme pour le fonctionnement, donc vous voyez les grandes masses, dotations, fonds divers et réserves, 297 000, les subventions, 200 000, les autres subventions d'investissement, les dépôts et cautionnements, c'est marginal, les autres immobilisations financières et les opérations d'ordre en recettes, en dépenses, donc dotations, fonds divers et réserves, le remboursement du capital de la dette, donc qui a été en 2021 relativement important parce qu'il y a eu un remboursement exceptionnel sur un prêt. Donc, en fait, s'ajoutait au remboursement habituel le remboursement supplémentaire d'un prêt qui a été complètement remboursé par ailleurs. Des immobilisations incorporelles, subventions d'équipement versées, des immobilisations corporelles pour 1 956 000, donc toutes les réalisations et les investissements en travaux, en bâtiments au niveau de la commune. Voilà. Donc ça, ce sont les grandes masses. Donc à partir de là, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que il va falloir voter ce compte administratif. Et Madame le maire, il va falloir que vous sortiez, même si ce n'est pas votre compte administratif. Et il faut qu'on choisisse parmi
les membres du conseil municipal, le doyen qui va prendre la présidence en l'absence du maire pour qu'on puisse voter le compte administratif. Alors, d'habitude, c'est Daniel. Dominique, peut-être tu veux... Donc, je vous lis, en vertu des dispositions des articles L2121-14 et L2121-31 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire et élit à cette occasion un président de séance. En principe, en vertu de l'article L1612-12 du même code, le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice. Ça va, nous sommes dans les clous. Alors après, je crois qu'il faut que je te passe la parole. Alors, tu peux prendre peut-être part au vote, je ne sais pas comment. Voilà, merci. Donc, un budget, donc, ça se vote au printemps, au pire. Pour mémoire, sur le timing, le budget 2021 a été arrêté par le préfet en juin 2021. La décision modificative numéro 1, motivée par des besoins immédiats, était votée fin juin. La décision modificative numéro 2, qui était importante pour pouvoir terminer 2021 dans de bonnes conditions, n'a pas été votée en septembre, obligeant à faire fonctionner les services en mode dégradé et à repousser un certain nombre de projets après déjà des mois d'attente. Être fixé à l'automne, c'était donc invraisemblable, presque un défi pour les finances. Les contraintes ont de surcroît été inutilement fortes, et c'est regrettable pour la commune. Deux exemples pour illustrer mon propos. Le budget arrêté par le préfet a ignoré 1,15 ou 1 150 000 euros de recettes d'impôts, pourtant certaines, pour une raison, disons, administrative. Le budget arrêté par le préfet était en outre délibérément déséquilibré, moins de dépenses que de recettes. Pardon. À charge pour le conseil municipal de reprendre la main, en théorie. Seulement vous, en 2021, vous n'avez pas voulu que le tir soit corrigé par calcul politique. L'engagement des dépenses en 2021 devait être très prudent. L'équipe municipale précédente, dont je faisais partie, et les services, même s'ils étaient quelque peu sonnés par cette situation ubuesque, ont remarquablement bien tenu les cordons de la bourse, tant en fonctionnement qu'en investissement dans ce contexte. Je tiens ce soir donc à saluer leur courage et à les remercier pour leurs efforts. Soyons clairs, il n'y a eu de déficit en investissement en 2021 que parce qu'aucun virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement n'a été réalisé, contrairement à ce qui figure dans le budget arrêté par le préfet. Nous avons dit en commission finance notre incompréhension devant cette absence d'écriture sans vraie explication. L'essentiel pour Louveciennes est bien sûr la bonne utilisation en 2021 des deniers publics. Fiers de ce qui a été collectivement accompli en 2021, nous voterons pour. Nous rappelons, à côté de cela, la demande formée en commission des finances d'une analyse plus précise par les services du Delta, réalisée versus prévisionnelle, sur les charges personnelles, qui s'avère inférieure de 500 000 euros à ce qui était prévu. Merci. C'est une hausse des recettes de fonctionnement de 3%, comme ça a été dit, certes inférieure à celle des dépenses qui a été de 13%,
mais qui permet néanmoins le maintien d'un excédent de fonctionnement de 905 000 euros et une CAF positive de 1,9 million en brut, d'après vos propres calculs, et de 954 000 euros en net après amortissement de la dette. Et nous notons en particulier une augmentation de plus de 3% des recettes fiscales. Alors, avec ou sans le virement comptable de la section de fonctionnement, comme ça a été indiqué à celle d'investissement, la CAF positive s'ajoutant aux autres recettes d'investissement a permis de financer les investissements de l'exercice et de combler l'apparent déficit d'investissement. C'est pourquoi nous approuvons le compte administratif. Très bien, je ne vois pas de commentaire particulier, si ce n'est de dire que, bon, l'IDERIC, tous les commentaires concernant le rejet du compte du budget et de la décision modificative concernaient certains membres parmi nous, mais il y a une partie de l'équipe qui n'est plus là également. Hein, donc le conseil municipal, ce n'est pas le même cette année. Donc voilà, il n'y a aucun jugement, il n'y avait aucun jugement de valeur dans ma présentation. Résultat de 900 000 euros sur le compte administratif qui permet évidemment de dégager un excédent. On voit et on va voir tout de suite que cet excédent, compte tenu des restes à réaliser, est tout de suite absorbé pour la suite. Donc il ne permet pas en fait de financer la totalité de dépenses d'investissement de l'année 2021. Il faut tenir compte des soldes antérieurs, je dirais, des années précédentes, des reports de résultats des années antérieures pour arriver à faire l'équilibre. Mesdames et messieurs, y a-t-il d'autres commentaires ? Nous allons passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Une abstention. Merci. Madame le maire, vous pouvez revenir, je vous prie. Le compte a été voté. Très bien. Je vous remercie. Le point suivant de l'ordre du jour concerne la reprise et l'affectation du résultat 2021 au budget principal de la commune. Donc c'est la suite logique du compte administratif. C'est encore Stéphane qui va travailler. Ah, Jean-Paul. Jean-Paul, tu aurais pris le document de Stéphane. Non, mais je te donne mon document. Ah non, pardon. Il faut que nous procédions donc à la reprise et à l'affectation du résultat 2021 au budget principal 2022 de la commune. Donc, il est indiqué aux membres du conseil municipal que le compte administratif 2021 permet de déterminer les résultats à reprendre au budget primitif 2022. Le résultat de fonctionnement 2021 doit combler en priorité le besoin de financement de la section d'investissement par l'affectation au compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé. La reprise anticipée des résultats 2021 au budget primitif de l'année 2022 se décompose de la façon suivante. En section d'investissement, au total, moins 1 904,90 euros, dont le résultat de l'exercice 2021, déficit pour à hauteur d'1 925 095,50 euros, excédent cumulé des exercices précédents, de l'exercice cumulé précédent, 915 695,60 euros.
Les restes à réaliser vous sont donnés pour information. Donc, restes à réaliser en dépenses au niveau de l'investissement, 1 577 908,97 euros. Pour la section de fonctionnement, résultat de l'exercice 2021, excédent de 905 479,57 euros. Excédent cumulé des exercices précédents, 6 076 015,57 euros. Diminué du compte 1068, soit 2 587 323 000 euros et 87 centimes. Au total, la section de fonctionnement, donc 4 394 171 euros. Donc, il est proposé d'affecter comme suit les résultats de l'exercice 2021 au budget primitif 2022. Section d'investissement, compte R001, 1 009 414,90 euros. Au compte 1068, 2 587 323,87 euros. Section de fonctionnement au compte R002, 4 394 171,27 euros. Merci. Est-ce qu'il y a des observations sur cette affectation de résultats ? Non. Donc, je vous propose la délibération suivante. Donc, le Conseil municipal décide la reprise dès le budget primitif 2022 des résultats 2021, à savoir en section d'investissement moins 1 009 414,90, le résultat de l'exercice 2021 moins 1 925 095 50, les excédents cumulés des exercices précédents, à savoir 915 680 60. Pour information, des restes à réaliser en dépenses de 1 577 908,97 euros. En section de fonctionnement, un résultat de 4 394 171,27 euros, soit le résultat de l'exercice 2021, plus de 905 479,57 euros, un excédent cumulé des exercices précédents, plus 6 076 015,57 euros, diminué du compte 106,8, à savoir 2 587 323,87 euros. Donc, je vous propose l'affectation, comme indiqué ci-dessous, des résultats de l'exercice 2021 au budget primitif 2022. Merci. Section d'investissement au compte R001, 1 009 414,90. Au compte 106,8, 2 587 323,87. Pour la section de fonctionnement, au compte R002, 4 394 171 27. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Stéphane, je te passe la parole pour l'examen du budget primitif 2022 de la commune. Ah, voilà. Bien, avant de commencer, donc simplement pour dire que ce budget primitif a été vu donc en commission des finances et que chacun y a pu y apporter ses contributions ou faire ses remarques. Je vais parcourir le document, mais au travers d'un certain nombre de slides, en reprenant les éléments essentiels. Et après, on pourra échanger pour le détail si vous le souhaitez. Alors, la balance générale du budget primitif 2022. Donc, tout d'abord, le fonctionnement. Donc, nous avons des recettes de fonctionnement. Donc, d'abord, des atténuations de charges à hauteur de 62 000 euros. En fait, ce sont des régularisations qui concernent les charges de personnel. Des produits des services, 829 300 euros. Les impôts et taxes, évidemment, c'est la grosse partie des recettes d'investissement, des recettes de fonctionnement, 11 913 000 euros. Les dotations, subventions et participations, 651 000 euros. On retrouve notamment la dotation globale de fonctionnement. Les produits de gestion courante, donc ce sont les loyers que perçoit la commune, 306 000 euros. Les produits financiers,
c'est anecdotique, les produits exceptionnels, la reprise sur provision et les opérations d'ordre qui sont nulles. Donc vous avez le résultat de fonctionnement reporté dont on vient de parler pour 4 394 171 euros. Au niveau des dépenses de fonctionnement, nous avons les dépenses imprévues, 17 800 euros, qui permettent en fait d'ajuster le budget et qui permettent également, éventuellement en cas de nécessité, de ne pas avoir, recourir à des délibérations spécifiques dans le cadre du Conseil pour engager certaines dépenses imprévues. Virement à la section d'investissement, 3 816 732 euros. Donc ça, c'est la partie des résultats cumulés qui seront transférés, potentiellement transférés à la section d'investissement pour l'équilibrer et permettre les dépenses en conséquence. Les charges générales, 3 300 000 euros. Je reviendrai après. Charges de personnel, 5 744 000 euros. Les autres charges de gestion courante, 2 361 000 euros. Les charges financières liées à nos emprunts, 136 000 euros. Des charges exceptionnelles pour 39 000 euros. Dotation aux provisions, 150 000 euros. Atténuation de produits pour 2 106 000 euros. En fait, ce sont ce qu'on a vu tout à l'heure, les sommes que l'on reverse au titre du FNGIR et du SFRIF. Et les opérations d'ordre pour 500 000 euros. Ça correspond à des dotations aux amortissements. Donc, ensuite, vous avez au niveau des recettes de fonctionnement, si on reprend chapitre par chapitre, au niveau du produit des services, 829 320 euros. Donc, vous pouvez voir la répartition dans le camembert. Je vais tout de suite au niveau des éléments constitutifs. Donc, les recettes liées à l'exploitation du domaine public, 53 000 euros. Donc, c'est les concessions des cimetières, l'occupation du domaine public, les régies, le marché, etc. Vous avez les redevances périscolaires et enseignement, plus les autres redevances, c'est la participation des élèves essentiellement à la restauration. S'y ajoute également, bon, c'est dans ce compte-là, l'allocation de salles, les ventes de billets pour les spectacles. Donc, 450 000 euros. Donc, vous voyez que par rapport au réalisé de l'année précédente, vous avez en bas à droite les évolutions par rapport au réalisé sur les tableaux. Donc, on est dans quelque chose de constant. Au niveau des impôts et taxes, donc c'est le grand bloc, 11 913 830 euros. Ces impôts, la commune perçoit les impôts, la taxe d'habitation et la taxe foncière, qui maintenant ne font plus qu'un seul paquet, avec la suppression de la taxe d'habitation, l'attribution de compensation allouée par la communauté d'agglomération, les droits de mutation et les taxes diverses. Donc, vous voyez qu'au niveau de la taxe foncière et de la taxe d'habitation, on a réalisé l'année dernière 5 890 000. On a mis au budget 6 millions, soit une augmentation de 2%. Donc, cette augmentation tient compte de l'évolution des bases et de la constitution de ces bases, sachant qu'en fait, la commune n'est notifiée de ces sommes au niveau des impôts, taxes d'habitation et taxes foncières qu'en fin d'exercice. Donc, ce sont des prévisions. Ces prévisions se veulent prudentes. L'attribution de compensation, on l'avait vu également dans le cadre du rapport d'orientation budgétaire, 5 087 000 euros. Sachant que cette somme est identique à celle de l'année dernière et nous avons bon espoir, puisque ça a été un engagement de la communauté d'agglomération, que ce sera maintenu tout au long du mandat. Les droits de mutation, donc vous voyez qu'en 2021, ils ont été exceptionnellement élevés, 920 000 euros. Donc nous les mettons à un niveau, je dirais, relativement élevé, 650 000 euros, mais aujourd'hui, on ne peut pas préjuger de ce qu'ils seront réellement. Donc, tout ce que l'on sait, c'est que l'année commence plutôt bien au niveau des mutations et des ventes et des cessions de biens immobiliers. En ce qui concerne la dotation, les subventions, deuxième grand chapitre, subventions et participation, 651 000 euros. Vous avez dedans la dotation globale de fonctionnement qui diminue de 89 000 euros, comme elle diminue tous les ans.
pour atteindre 226 000 euros contre 321 000 euros l'année dernière. Donc, par rapport à 2018, ce qui vous est indiqué, la DGF aura diminué de 365 000 euros et à ce rythme, cette recette aura disparu en 2026. Donc, c'est sûr que c'est une forte pression sur les recettes de la commune. Dotation, subvention et participation, toujours. La récupération de TVA, donc 30 000 euros. Bon, d'accord. Sur le, donc, la récupération de TVA, sur les dépenses d'entretien, les réparations de terrain, bâtiments, donc ça, ça dépend d'une année sur l'autre, c'est variable en fonction des travaux qui auront été réalisés. Les subventions des autres communes, vous avez également, pour 15 000 euros, ça, en fait, ce sont les sommes que nous percevons au titre de la scolarisation des enfants des autres communes. Donc, viennent de Bougival, de la Celle-Saint-Cloud, et qui sont hébergés, qui sont scolarisés dans nos écoles. Et inversement, nous sommes refacturés des sommes pour les Louciennois, les élèves louciennois, qui sont dans des écoles d'autres communes. Les subventions autres organismes, donc ça c'est une part importante, 293 000 euros contre 168 000 euros l'année dernière, donc plus 74% d'augmentation. En fait, ce sont liés à des mouvements liés à la CAF, donc la Caisse d'allocation familiale, dans le cadre habituel de la convention territoire globale qui a été signée en 2021. Donc, c'est pour les fonctionnements des structures de la petite enfance, 150 000. Et en fait, se rajoutent 141 000 euros cette année pour la prestation de service unique. C'est en fait le transfert du périscolaire sur le budget de la ville qui a été entériné en 2021. D'où cette augmentation. Alors, les autres produits de gestion courante. Donc, vous voyez, et qu'ils sont à peu près au niveau de l'année dernière, 306 000 en légère baisse contre 315 000. Donc, ce sont en fait les redevances des concessionnaires et des loyers que perçoit la commune sur son patrimoine immobilier. Ensuite, toujours dans les dépenses de fonctionnement, les charges, maintenant que nous avons fait les recettes, nous voyons les dépenses de fonctionnement, les charges à caractère général, 3 300 000 euros, donc en hausse de 14% sur les réalisés 2021, mais à peu près du même niveau que le budget prévisionnel. Donc cette hausse, elle est consécutive en fait à la forte inflation que nous connaissons aujourd'hui, l'augmentation du prix sur les matières premières, sur les fluides, sur le gaz, sur l'électricité. Donc tout ça va impacter notablement les dépenses de la commune à ce niveau-là. Donc nous sommes obligés de prévoir un budget en forte augmentation pour tenir compte de ces évolutions. On ne sait pas très bien quelle sera la hausse des prix. Si, par exemple, pour les ménages, aujourd'hui, il y a des garde-fous qui permettent de limiter la hausse du coût de l'énergie, il n'y a pas de garde-fous pour les collectivités. Donc, les prévisions qui sont données par le syndicat d'énergie des Yvelines, électricité des Yvelines, d'électricité, hein. sont pas très optimistes pour l'année prochaine. D'accord. Donc, voilà les charges à caractère général. Ensuite, vous avez les dépenses de services extérieurs pour 1 million, toujours dans les charges à caractère général, donc pour 1 190 000 euros. Donc, ça concerne la maintenance des logiciels, les contrats de services de matériel, l'entretien des bâtiments et la voirie, mais également les locations, la formation et les assurances. Donc, leurs coûts sont impactés par la révision des marchés et des contrats. Ensuite, vous avez les dépenses des autres services extérieurs pour 529 000 euros.
Ça concerne les frais d'honoraires, contentieux, délégations de services publics, les fêtes et les réceptions, les travaux de la distribution de publications, les transports, les cotisations, les frais de télécommunication. Alors, vous voyez que c'est en très forte hausse, plus 46% par rapport au réalisé 2021, compte tenu du fait que l'année 2021 n'a pas permis d'engager un certain nombre de dépenses relatives à cette nature. Notamment, il y a beaucoup de dépenses de transport scolaire qui sont prévues cette année pour les piscines, pour des élèves, etc. Donc voilà, il y a des frais d'études, mais aussi des dépenses qui sont liées à la reprise d'une activité, je dirais, normale après une période de crise sanitaire. Les dépenses de personnel, les charges de personnel, 5 744 000 euros. Donc, il y a dépenses de personnel extérieur, donc vous voyez, c'est 39 000 qui sont en baisse de 28%, c'est-à-dire qu'évidemment, on cherche à limiter le plus possible le recours aux intérimaires et au personnel extérieur. Il y a impôts, taxes et versements assimilés, ben, ça sont des charges sur les salaires. Et des prestations sociales obligatoires pour 120 000 euros. Le gros bloc, bon, il est constitué par les charges de personnel à proprement parler, à hauteur de 5 584 149 euros. On vous donne l'effectif des agents de la ville, donc 30 agents contractuels permanents, 73 agents contractuels non permanents et 89 agents titulaires. Donc, c'est bien l'effectif de la ville, ça ne comprend pas l'effectif du CCAS. Donc, vous avez en augmentation par rapport au réalisé 2021, on prévoit une augmentation de 4,91%. Cette augmentation, bien, elle est liée à un certain nombre de paramètres, les réformes statutaires nationales, l'organisation des carrières et les échelles des rémunérations des fonctionnaires, de catégorie C, qui évolue avec une bonification d'ancienneté d'un an à effet du 1er janvier 2022. Le coût est évalué à 30 000 euros. À l'indemnité d'inflation de 100 euros, qui sont versés aux agents dont les revenus sont inférieurs à 2 000 euros. Donc ça concerne une grande partie du personnel communal. Je crois que c'est environ 110 agents qui sont concernés. À la crise sanitaire, donc qui nécessite une augmentation du temps de travail des agents, inutile pour l'entretien, etc., des locaux, à un recrutement en police municipale. L'année dernière, il avait été décidé de recruter 2 agents municipaux, qui sont effectifs cette année. Donc, il faut en tenir compte. Des remplacements d'agents indisponibles au moment du compte épargne-temps, aux élections. Cette année, on a 4 tours d'élections qui mobilisent quand même pas mal de personnel administratif. Au glissement vieillesse-technicité, l'évolution des salaires en fonction de l'ancienneté. Et il y a un paramètre qui n'est pas encore précisé, mais qui viendra à l'issue certainement des élections présidentielles. C'est la revalorisation du point d'indice de la fonction publique, donc qui augmentera aussi les rémunérations en conséquence. Alors, les autres charges de gestion courante, 2 361 000 euros. Vous voyez qu'il s'agit en fait essentiellement de 2 postes, les subventions de fonctionnement au CCAS, dont le montant est maintenu à celui au niveau de l'année dernière, c'est-à-dire 1 320 000 euros. Et les subventions de fonctionnement des autres organismes, en fait, sont essentiellement les subventions aux associations. Donc, celles-ci, pour l'année 2022, sont à 536 000 euros, en baisse de 11%. Nous verrons le détail des montants versés aux associations dans le cadre de délibérations spécifiques. Les charges financières, 136 240 euros. On a eu l'occasion de voir, dans le cadre du rapport d'orientation budgétaire, l'évolution de la dette et de son remboursement. On a vu qu'en 2022, donc on franchissait une marche. Et donc, ceci, évidemment, a des conséquences positives, à la fois sur le remboursement en capital et sur les charges financières qui concernent
le fonctionnement avec 136 000 euros, 240 euros contre 184 000 en 2021. On a le virement à l'investissement, 3 816 193 euros, donc on le verra tout à l'heure, donc ce qui va permettre d'équilibrer le budget d'investissement en recettes. En ce qui concerne l'investissement, pour 2022, au niveau des recettes, virement de la section de fonctionnement, donc on vient d'en parler, les dotations fonds divers et réserves, donc ça, c'est le fonds de compensation de la TVA à hauteur de 250 000 euros, on en reparlera, en fait, c'est lié aux investissements de l'année précédente, on récupère l'année en N plus 1 sur le montant des investissements réalisés l'année précédente. Et c'est l'excédent de fonctionnement capitalisé, c'est là qu'on va retrouver notamment les restes à réaliser et l'excédent d'investissement de l'année précédente. Ensuite, vous avez les subventions qui sont liées évidemment à tous les projets d'investissement de l'année, les dépôts et cautionnements et les opérations d'ordre. C'est en fait la contrepartie du fonctionnement. Ça concerne des amortissements et des immobilisations. En fait. En dépenses d'investissement, vous avez les dépenses imprévues. Il y a zéro. Les immobilisations incorporelles, donc c'est les études, la réalisation des études, les achats de logiciels, 345 000 euros. Les subventions d'équipement versées. Les immobilisations corporelles pour 4 241 000 euros, les immobilisations en cours, les dotations fonds divers et réserves, le remboursement du capital de la dette, 490 000 euros, et les opérations d'ordre, zéro. Et puis, vous avez les restes à réaliser donc de l'exercice 2021, 1 577 000 euros, et le résultat d'investissement 2021, 1 900 000 euros. Le déficit, en fait, à hauteur de 1,9 million et 414,90 euros. Les principales recettes d'investissement. Donc, si on va un petit peu dans le détail, la taxe d'aménagement due pour les constructions, 80 000 euros. La récupération de la TVA sur les investissements 2021 au taux de 16,404%, 250 000 euros. Les subventions et participations, 717 800 euros. Le virement de la section de fonctionnement, 3 816 732 euros et 50 centimes. Vous voyez les dotations divers et réserves, 2 917 000 euros. On en a parlé tout à l'heure lorsque l'on a parlé du résultat et du virement à la section de fonctionnement du résultat 2021 et à la section d'investissement. Les dépenses d'investissement, donc les immobilisations incorporelles, donc 372 000 euros. Alors là, vous voyez qu'elles sont en très forte augmentation, 1550% contre 22 586 euros. C'est-à-dire que là, c'est parce que, faute de pouvoir les réaliser, nous avons cette année une très forte augmentation. Donc, les frais d'études qui permettent de réaliser des travaux sur les prochaines années, les acquisitions de matériel et de logiciels, pour offrir des services satisfaisants. On a notamment des logiciels métiers en finance pour 70 000 euros. Les dépenses d'investissement, les subventions d'équipement versées, donc 210 000 euros. Donc, il s'agit là essentiellement des dépenses de surcharge foncière. Vous savez que dans le cadre de la loi SRU, on doit s'engager dans des plans triennaux pour rattraper notre retard. Et plutôt que de payer d'avoir à payer des amendes, car nous ne sommes pas dans les clous, on peut, auprès des bailleurs sociaux, verser des surcharges foncières qui nous donnent droit, par ailleurs, à des logements, disons, de l'attribution supplémentaire de logements. Donc, 210 000 euros. Vous avez ici le plan triennal 2020-2022, 138 logements, 2023-2025, 137 logements à réaliser.
En ce qui concerne les immobilisations corporelles, donc ça c'est le grand montant des dépenses, 5 792 000 euros en augmentation de 196%. Donc il s'agit ici des dépenses qui concernent les différents bâtiments communaux, mairies, écoles, que ce soit pour les travaux de mise aux normes ou de réfection, et ainsi que des dépenses pour la remise en état de la voirie ou les acquisitions de matériel comme de véhicules. Le remboursement de la dette, donc, il est en baisse de 50% par rapport à 2021. Je vous ai expliqué qu'en 2021, il y avait le remboursement, je dirais, classique, auquel s'est ajouté le remboursement d'un emprunt supplémentaire. Donc, vous avez les sommes réparties, emprunt en euros, 426 000 euros, emprunt en devises, 63 570 euros. En fait, il se trouve que parmi les emprunts, on a un emprunt en francs suisse qui date de 25 ans à peu près, qui remonte à 25 ans, et donc lui qui peut être considéré comme à un moment, quand on parlait des emprunts toxiques, je mets des petits guillemets eu égard au montant qu'il représente, mais c'est vrai que nous ne maîtrisons pas forcément le taux sur cet emprunt, en fonction du taux de change. Voilà, j'ai fait dans les grandes lignes le budget prévisionnel. Maintenant, je veux bien répondre dans le détail si vous avez des questions. Pascal. Oui, ce n'est pas une des questions, mais une intervention sur ce budget prévisionnel. Madame la maire, avant d'aborder le budget proprement dit, je souhaite faire une remarque liminaire sur la procédure budgétaire. Comme chaque année, le budget de l'année en cours, tout comme le rapport d'orientation budgétaire, sont présentés très tardivement. Je ne vous en fais toutefois pas le reproche pour cette année 2022. Des communes voisines sont pourtant en mesure de voter leur budget bien plus tôt que celui de Louvciennes. Je souhaiterais que Louvciennes prenne exemple sur une commune comme celle de La Celle-Saint-Cloud, par exemple, qui a voté son budget primitif 2022 le 9 décembre 2021, après avoir débattu des orientations budgétaires le 23 novembre 2021. Alors, je comprends que certaines données budgétaires ne sont pas connues de façon définitive à cette période, mais cela ne doit pas poser problème pour un budget primitif qui, de toute façon, est révisé en cours d'année par un certain nombre de décisions modificatives. Donc j'espère, Madame la maire, que vous pourrez mettre en œuvre ces bonnes pratiques pour les prochains budgets de notre commune. Sur le budget lui-même, je commencerai par une remarque sur sa lisibilité. Les règles budgétaires applicables aux collectivités territoriales et le vocabulaire parfois abscon font que la compréhension du budget est un privilège qui est réservé aux spécialistes de la finance locale et de la nomenclature M14. Le tableau de balance générale, page 5, est une synthèse administrative, mais qui n'indique pas concrètement comment l'argent des Louvciennois sera utilisé. Votre prédécesseur avait promis un document budgétaire de synthèse compréhensible par nos concitoyens, ce qui n'a pas été le cas. Est-ce que vous vous engagez à réaliser une présentation claire du budget pour les années à venir, donnant les dépenses par catégorie concrète, par nature, par exemple la voirie, les espaces verts, l'entretien des écoles, etc. Je rappelle d'ailleurs que ceci est une obligation légale fixée par l'article L2313-1 du Code général des collectivités territoriales qui dispose qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles et jointes au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. Une observation concernant les reports et les restes à réaliser. C'est une constante dans le fonctionnement budgétaire de notre commune. Le résultat du budget de fonctionnement 2021 est reporté sur le budget 2022 et il est de 4,4 millions d'euros, comme vous l'avez évoqué, et de 1,6 millions d'euros du budget d'investissement 2021 n'ont pas été engagés et sont reportés sur le budget 2022. S'agissant du reste à réaliser du budget d'investissement 2021, je ne peux que m'interroger sur les raisons de cette inefficacité dans la mise en œuvre du budget dans notre commune. J'espère que les prévisions des dépenses d'investissement 2022 seront à l'avenir mieux respectées que celles des années précédentes. J'ai par ailleurs noté dans le tableau, page 29, la ligne 1068,
un excédent de fonctionnement capitalisé qui s'élève à 2,6 millions d'euros. Et j'aurais voulu savoir quelle était l'utilisation qui était prévue de cette somme. S'agissant des investissements qui sont prévus pour 2022, je note 205 500 euros qui sont prévus pour une étude Aqueduc-Villevert. Alors, vous nous aviez indiqué lors du conseil municipal précédent que Villevert était une opération privée et que la commune n'avait pas à vocation à intervenir dans ce dossier. Donc, j'aurais voulu savoir qu'est-ce que notre commune doit étudier sur le projet Villevert au travers de cette étude dont le montant est assez conséquent. J'aurais souhaité obtenir également des précisions sur votre démarche de réhabilitation des berges de Seine. Je l'avais déjà évoqué lors du débat d'orientation budgétaire. Et je note dans le budget que l'achat de terrain est prévu pour un montant de 25 000 euros. Et donc, j'aurais voulu que vous me confirmiez que vous envisagez bien d'acheter les terrains de la zone de marchepied plutôt que de faire appliquer la servitude de marchepied jusqu'à 3,25 mètres de la rive de la Seine, ce qui figure dans le plan de servitude d'utilité publique du PLU. Pouvez-vous également nous préciser à ce sujet si votre démarche est globale sur le territoire de Louveciennes et si elle concerne toutes les occupations de la zone de marchepied, qu'elles soient commerciales ou privées? Je pense notamment à la présence de certains restaurants sur cette zone. Alors, je n'ai pas noté dans le budget primitif de dépenses pour les liaisons douces et j'aurais voulu avoir des précisions sur le fait que des aménagements seront bien effectués en 2022 conformément au plan vélo défini par la communauté d'agglomération de Saint-Germain-Boucle-de-Seine. Une observation également concernant l'agenda d'adaptabilité en date du 17 juin 2015. Celui-ci prévoyait une échéance de réalisation de tous les travaux d'accessibilité en 2021. Alors, je pense qu'il serait utile de faire le bilan des travaux qui ont été réalisés, ainsi que de présenter un nouvel échéancier pour les travaux qui restent à faire. J'ai vu qu'il y avait déjà un certain nombre d'opérations qui étaient programmées pour 2022, mais c'est vrai que ce serait bien d'avoir une programmation pluriannuelle pour connaître exactement tout ce qui reste à réaliser. Une observation concernant l'application de la loi SRU qui a été évoquée à l'instant. Le tableau page 40 précise le plan triennal de logements à construire. J'aurais souhaité que vous nous indiquiez si l'exigence triennale 2020-2022 sera bien respectée et comment vous prévoyez de respecter l'exigence 2023-2025, au regard notamment du nombre de logements qui a été évoqué à l'instant. S'agissant des subventions aux associations, j'ai demandé à plusieurs reprises lors de débats sur des budgets précédents que la subvention qui est attribuée à l'OGEC, c'est-à-dire à l'école Sainte-Jeanne d'Arc, soit calculée conformément à la loi, c'est-à-dire sur la base de ce qui est dépensé par la commune pour le fonctionnement des écoles publiques, ramené à un coût unitaire par élève, que l'on multiplie par le nombre d'élèves de l'école privée. Alors, cela nécessite un travail de compilation de toutes les dépenses de fonctionnement, travail nécessaire pour respecter la loi et assurer l'équité entre l'enseignement public et privé. Sans nullement remettre en cause la subvention à l'école privée, qui est de toute façon une obligation légale, il est impératif de s'appuyer sur cette méthode, sur cette règle de calcul qui tient compte des dépenses réelles. Alors, votre prédécesseur n'a pas donné suite à mes nombreuses demandes, demande d'ailleurs qui avait été appuyée à l'époque par Marc Richard, aujourd'hui en charge des affaires scolaires dans votre équipe. Donc, je renouvelle ici ma demande en espérant que vous y donnerez suite. Une remarque concernant la qualité environnementale. Le PLU applicable à notre commune comprend de nombreux engagements en faveur, je cite, d'une démarche d'amélioration de la qualité environnementale. Cela concerne la biodiversité, la gestion de l'eau, le développement des énergies renouvelables, la valorisation des déchets, la qualité de l'air. Or, je ne vois dans votre budget primitif aucune mesure ni budget consacré à ces engagements. Et je le regrette d'autant plus que l'écologie est un axe majeur de la liste que je représente. Je note dans ce domaine, qui est plutôt celui de l'urbanisme d'ailleurs, une dépense de 30 000 euros
pour la révision du PLU et j'aurais souhaité connaître les principales lignes de la révision qui est envisagée. Enfin, sur la fiscalité, je note que vous vous étiez engagé très clairement pendant la campagne électorale pour une baisse de la taxe foncière dès 2022. Or, le budget proposé ne fait pas état de cet engagement, ce qui est regrettable pour vos électeurs, mais plus globalement pour l'ensemble des Louveciennois qui attendaient impatiemment cette mesure. Alors, il y aurait encore beaucoup à dire, mais je ne vais pas monopoliser la parole. Il y aurait beaucoup à dire sur ce document, qu'il s'agisse des dépenses engagées pour la vidéoprotection sans retour d'expérience sur ce qui a été déjà réalisé. On pourrait également parler des 200 000 euros de surcoût de la seconde maison médicale, de la faiblesse des travaux qui sont programmés dans les écoles pour cette année. En conclusion, vos choix budgétaires ne s'imposent pas avec évidence aux yeux de la liste Louveciennes écologique, citoyenne et solidaire que je représente. J'aurais bien entendu souhaité que d'autres priorités politiques soient mises en avant. Et je pense que d'autres choix sont possibles et qu'un autre budget est possible. Je vous remercie. Je vais essayer de répondre à toutes vos questions. J'ai noté. Si j'en oublie, je t'en passerai une partie. Sur la procédure budgétaire, bien évidemment, notre souhait, et nous l'avions exprimé, est de pouvoir présenter un budget en décembre. Cette année est une année un petit peu particulière, vous l'avez souligné. Et de surcroît, compte tenu des circonstances, je pense que c'est une année où la présentation d'un budget en décembre présentait beaucoup de risques. Mais ça, nous ne pouvions pas l'imaginer. Concernant la présentation des dépenses par nature, la loi prévoit qu'elles soient présentées par nature et nous tenons à votre disposition une présentation par fonction. Nous l'avons noté dans le document. Vas-y, pardon. J'ai pas évoqué la liste des investissements. Celle-ci, on a eu l'occasion d'en débattre et la nature des investissements dans le cadre du rapport d'orientation budgétaire. Et dans le document du budget primitif, vous avez à partir de la page 34, 35, 36, un détail de l'ensemble des dépenses d'investissement prévues cette année. Donc, je veux dire, voilà, il y a un montant global d'investissement, je ne l'ai pas repris pour ne pas alourdir la présentation. Concernant les restes à réaliser 2021, qui sont très importants, nous espérons cette année réaliser le programme. Nous avons établi un calendrier en ce sens et sauf problème indépendant de notre volonté lié à des marchés qui pourraient se révéler infructueux, nous devrions réaliser le programme sur l'année 2022. Concernant les berges de Seine, vous avez évoqué l'achat de terrain. Alors, nous avons l'étude sur le projet de réaménagement des berges de Seine est réalisée par l'intermédiaire du Sivom des Coteaux de Seine. Et nous avons reçu aujourd'hui même un premier projet qui porte donc sur ce projet d'aménagement. Nous n'avons pas eu du tout le temps de l'étudier, hein, puisqu'il nous a été adressé en fin de soirée, mais dès qu'il sera présentable, il faut regarder si nous pouvons l'exploiter sous la forme actuelle, nous vous en ferons bien évidemment part. Alors, concernant les acquisitions foncières, si elles sont nécessaires, elles seront réalisées, qu'il s'agisse de parcelles privées ou commerciales, bien entendu. Mais ça va dépendre du circuit, de la piste cyclable, la liaison piétonne. Mais cette zone de marche-pied sera bien évidemment respectée. L'agenda d'accessibilité, vous l'avez souligné, il a pris du retard. Il sera à réajuster. Cette année, nous faisons un gros effort puisque nous avons inscrit quasiment 700 000 euros pour faire la deuxième phase de cet agenda d'accessibilité. Bien entendu, nous devrons revoir la programmation.
Mais bon, nous avons, je crois, inscrit une somme tout à fait significative pour rattraper ce retard. Oui. Tu veux intervenir, Isa ? Pour 2022, l'accessibilité qui est mise en, qui va être l'agenda, les travaux qui vont être mis en place, vont porter sur l'école d'Oumer, l'école des Soudanes, qui est un gros budget puisqu'il faut faire un ascenseur, le presbytère et le parc de la Dubarry, qui va être aussi un gros morceau parce qu'il faut pouvoir accéder en fauteuil roulant au moins à une bulle et à tous les terrains de tennis. Voilà, ça c'est pour l'année 2022. Pour les années suivantes, on va réajuster le planning qui a été prévu, mais c'est bien dans les tuyaux. Voilà, pour 2022. Dès qu'il sera mis en place, c'est-à-dire que pour l'instant, on fait tous les appels d'offres et tout ce qu'il faut pour pouvoir faire 2022. Et dès que tout est lancé, on fera un planning définitif pour la suite. Mais on gère les priorités pour l'instant. Je reprends sur... Je voudrais apporter une petite précision sur la présentation des comptes en décembre. Notre budget ne peut pas être présenté sans la reprise des résultats. La clôture de l'exercice, ils ne nous sont communiqués que fin février. Voilà, je tiens à le signaler parce que ça nous bloque. Certaines communes ont la possibilité de se dispenser de cette reprise de résultats. Ce n'est pas le cas de Loucienne. Concernant la loi SRU, nous avons notre obligation triennale qui a été assouplie suite à la loi 3.2S. Aujourd'hui, nous avions initialement 138 logements à faire et notre obligation est retombée autour de 40 logements. Nous réaliserons cette obligation triennale. Et comme nous réaliserons les étapes suivantes. Mais nous ne sommes plus tenus par la date de 2025, et ce qui nous permet de travailler un petit peu plus dans la sérénité. Nous n'avons pas l'intention de nous dérober à notre devoir de solidarité, mais nous pourrons l'exercer dans des conditions satisfaisantes, en prenant toutes les précautions nécessaires pour réaliser ces opérations tout en protégeant notre environnement. Concernant la subvention à l'association OGEC, oui, nous sommes d'accord, ce n'est pas une subvention, d'ailleurs, c'est une participation, et elle doit être ramenée à l'élève. Il y a un calcul qui avait été fait les années précédentes, nous referons ce calcul, hein, puisque c'est tout à fait exact ce que vous avez dit, nous sommes tout à fait d'accord sur la pratique. Le chiffre qui a été annoncé est tout à fait... Dans cette logique, et les 270 000 euros, il correspond aux besoins des années précédentes. Et effectivement, nous devrons le refaire pour les années suivantes. Et nous avons, dans ce sens, Marc-Richard peut le dire, il a pris un rendez-vous. Nous avons un rendez-vous d'ailleurs la semaine prochaine avec le représentant de l'OGEC. Concernant la révision du PLU, oui, nous avons mis une provision. Parce que nous sommes toujours, vous savez, sur le site de Villevert, il y a toujours une perspective d'achat du site par le groupe VIAE et Horizon. La vente ne se fait toujours pas, mais nous sommes convaincus que le jour où elle va se faire, si elle arrive, on ne sait pas dans quel délai, nous aurons certainement besoin de faire évoluer notre PLU. Et c'est dans cet esprit que nous avons inscrit une provision qui pourra ou pas être consommée en fonction de l'évolution du projet de Villevert, dont nous vous tiendrons bien évidemment informés. En ce qui concerne la baisse de la taxe foncière, vous reconnaîtrez qu'en décembre dernier, au moment où nous avons annoncé dans notre programme que nous décidions de faire une baisse raisonnée de la taxe foncière, personne ne pouvait se douter de la guerre qui allait se déclarer en Ukraine et de ses conséquences économiques que nous percevons dans leur totalité aujourd'hui.
Stéphane a parlé tout à l'heure de la hausse des tarifs de l'électricité et du gaz. Nous avons rencontré le SAIL, le syndicat d'électricité des Yvelines, qui nous a annoncé pour 2020 une augmentation de 20% du prix du gaz et de l'électricité. Pour les exercices, pour l'exercice suivant, l'augmentation se situera entre 80 et 200%. Avant-hier, nous avons reçu de NormaPro, notre prestataire de restauration scolaire, j'ai eu l'occasion d'en parler au conseil d'administration du CCAS, une demande d'avenant pour les prestations de restauration scolaire en raison de la hausse des prix des produits alimentaires. Et je citerai quelques exemples d'augmentation. Le bœuf, 32,9%, les œufs, plus 66%, les volailles, plus 26%, le beurre, plus 87%, etc. Donc, tous les produits augmentent dans une proportion très importante et nous nous attendons, dans les semaines qui viennent, à avoir des augmentations de coûts sur la totalité des produits et nous l'avons même aujourd'hui sur des prestations et sur des marchés, puisque nous avons des avenants qui nous sont proposés sur des travaux qui sont déjà engagés, et que les entreprises interrompent en attendant que nous signions l'avenant en raison du renchérissement des produits. Donc, je vous avoue que dans un tel contexte, et quand nous avons fait le budget il y a 3 semaines, nous l'avons arrêté, nous avons attendu pour voir comment allait évoluer la situation. Nous souhaitions rester, nous avons fait un engagement et nous le maintenons pour les années suivantes en fonction de l'évolution de la situation. Mais dans le contexte actuel, avec les incertitudes géopolitiques, mais surtout la certitude que nos dépenses vont augmenter dans des proportions énormes, nous ne pouvons pas raisonnablement prendre le risque de proposer une baisse de la taxe foncière. Je pense que chacun comprendra que ce serait déraisonnable. Pour ce qui est des dépenses engagées sur la vidéoprotection, c'était des dépenses qui étaient engagées en 2001. Bien entendu, nous les honorons. Mais pour la suite, nous sommes d'accord, et nous l'avions indiqué dans notre programme, faire d'abord une pause. Vérifier l'efficacité du système et en fonction des résultats, faire évoluer la vidéoprotection ou non. Pour la maison médicale, c'est la même chose. La maison médicale a été engagée sous le mandat précédent, donc nous avons poursuivi ce projet qui sera livré en septembre prochain. Il y a un point sur lequel je vais laisser intervenir Muriel. Voilà, sur la qualité environnementale, la biodiversité et la valorisation des déchets. Je te passe la parole. Oui, alors effectivement, nous avons nous aussi mis dans le programme, et nous l'avions annoncé, notre volonté d'être présent sur tout l'aspect environnemental et tout ce qui était écologie. Nous avons rencontré pour tout ce qui est la prise en compte par le CSGBS les personnes pour pouvoir regarder comment s'articuler avec eux. En ce qui concerne par contre ce qui est de notre ressort, nous sommes en train de regarder la faisabilité. Donc à ce jour, moi j'ai pas de choses concrètes à annoncer, si ce n'est des choses, je dirais, très locales, comme les déchets de végétaux qu'on a pu regarder pour optimiser dans une des parties qui était sur une rue en bas des Clos. Mais sinon, nous sommes en train de regarder sur 2022, d'ici la fin de l'année, ce qu'on pourrait faire. Je me retourne aussi vers Isabelle, puisqu'on travaille aussi sur le sujet. Nous avons d'autres points, mais je ne sais pas si ça fait partie aussi de cette... on peut les évoquer.
vous évoquiez tout à l'heure les bornes électriques. On a des projets et on est en train de regarder aussi qu'est-ce qui peut être fait pour la mise en place. On travaille et on s'est rapproché pour savoir comment les mettre en place avec le CEI 78, également avec la CSGBS, donc avec les syndicats. Donc c'est tout ça sur lequel on avance à petits pas pour pouvoir faire des propositions très rapidement. Merci Isabelle. Je crois que Christian voulait apporter une précision et j'ai une autre précision. J'ai oublié de vous parler d'un point. Oui, je voulais juste rajouter un point concernant la vidéoprotection. Il est difficile de faire un bilan quantitatif de l'utilité d'un système de vidéoprotection. Je voudrais juste citer une chose, c'est qu'il y a quelques semaines, notre système de vidéoprotection a permis l'arrestation d'un gang de voleurs de pièces de voiture qui sévissait sur Marly, Bougival et Louveciennes notamment. Cela a été fait grâce à l'observation des images fournies par notre réseau en concertation avec les systèmes de vidéoprotection des villes voisines. Je ne doute pas un instant que ça a parfois une utilité et qu'on peut arrêter effectivement certaines infractions. Ma question ne portait pas sur des cas précis comme ça. C'était d'avoir un bilan de la vidéoprotection. Je crois qu'un bilan, on peut le faire quand même pour savoir justement combien d'exemples on a eu sur les dernières années de cas similaires à celui que vous évoquez. Est-ce que c'est un cas isolé ou est-ce que c'est sur les 5 dernières années, la vidéoprotection a empêché énormément d'infractions sur la commune ? C'est de ce type de bilan qu'il faudrait avoir pour évaluer son efficacité. Alors, il m'est difficile de me prononcer pour le passé. Moi, ce que je peux dire, c'est que je suis en charge de la sécurité depuis 3 mois et j'ai cet exemple. Après, estimer le nombre d'infractions qui sont évitées grâce à la vidéoprotection, ça me paraît également difficile. Difficile de dire si une personne que vous voyez sur un écran de télévision dont vous avez l'impression qu'elle s'approche de la porte d'une propriété et qui peut-être regarde en l'air et fait un détour à ce moment-là parce qu'elle s'est aperçue qu'il y avait une caméra de vidéoprotection, avait l'intention de commettre un délit. Je pense que l'ancienne équipe municipale a pu vous laisser un certain nombre de statistiques quand même sur les interpellations qui ont pu... Comment ? Elles étaient peu branchées, mais... Oui, il y en a une partie qui était branchée. Mais oui. Bon, voilà, il faudrait voir sur justement la partie qui était branchée, ce que ça a pu donner. Je vous confirme que je ne dispose pas à ce stade de ces statistiques. Et puis on pourrait comparer aussi les périodes où il n'y avait pas de vidéoprotection sur un secteur donné et comparer après installation si il y avait plus ou moins de vols sur ce quartier, par exemple. Enfin, il y a des modes d'évaluation de l'efficacité de ce type de dispositif qui existe. Je pense que ce serait indispensable avant de s'engager à hauteur de centaines de milliers d'euros pour les années à venir. Je voudrais rappeler aussi qu'une partie de ce qui est prévu dans le budget pour cette année, ce sont des dépenses qui étaient déjà engagées lors de l'exercice précédent, qui avaient été engagées lors de l'exercice précédent. C'est le suivi de certains contrats. Je vous confirme que nous n'avons pas d'archives sur les périodes, sur les incivilités, sur les périodes où il n'y avait pas de vidéoprotection. Donc nous ne pouvons pas faire l'exercice que vous proposez et qui effectivement a une certaine pertinence. Donc là, nous sommes partis avec, comme disait Christian Percio, nous avons réalisé la phase qui était déjà très engagée et nous espérons que ces installations éviteront des incivilités. Je vous devais une réponse sur les pistes cyclables. Nous sommes intervenus dès notre arrivée auprès de la communauté d'agglomération. Le projet de piste cyclable le long de la RN 186 était positionné en 2023, voire 2024. Nous avons... Pardon ? Oui, mais... Oui, mais bon, quand nous sommes arrivés, j'ai constaté que le planning n'était pas tout à fait celui
dont vous parlez. Mais par chance, nous avons retrouvé dans les archives municipales les plans de la piste cyclable qui avait été réalisée entre le rond-point de la Grille Royale et Rocancourt au moment où il avait été question de réaliser un tunnel poids lourd, si vous en souvenez, et avec une sortie, enfin il y avait une bouche d'aération qui sortait sur Loucienne, et en contrepartie, la société avait promis la réalisation de cette piste cyclable, et elle nous avait laissé les plans que j'ai transmis à la communauté d'agglomération, ce qui nous permet de nous d'aller un peu plus vite, la phase d'ingénierie étant déjà réalisée. Voilà. Et j'espère qu'avec cet apport, nous aurons satisfaction le plus rapidement possible. Monsieur Nussbaumer, je vous en prie. Bien. D'abord, je voudrais faire remarquer que nous avons une commission des finances assez intéressante et constructive au cours de laquelle nous avons pu échanger et nos remarques et questions ont été répondues ou prises en compte, mais en partie seulement. Donc, nous allons revenir, Lydéric et moi, sur les points qui restent en débat. Tout d'abord, comme ça avait été demandé précédemment lors du rapport d'orientation budgétaire, la comparaison des prévisions, non pas aux prévisions précédentes, mais aux réalisations effectives, a bien été faite dans le détail des différents postes de recettes, comme on l'a vu sur les slides que vous avez présentés, mais pas, curieusement, dans les tableaux globaux, les tableaux de présentation globale, ni dans le commentaire général en page 6, ce qui ne facilite pas la lecture et la visibilité. Je rejoins le commentaire qui a été fait sur la complexité de s'y retrouver dans ce budget en termes des grandes masses. On a des détails, mais au niveau des grandes masses, c'est assez compliqué. En tout cas, en creusant un peu les chiffres, on voit bien que ce budget prévisionnel 2022 prévoit des recettes réelles de fonctionnement en baisse de 12%. Recettes réelles, c'est-à-dire hors report des résultats antérieurs, des excédents antérieurs. Donc, baisse des recettes réelles de fonctionnement de 12% et des dépenses de fonctionnement, elles aussi, hors virement à la section d'investissement, donc des dépenses réelles de fonctionnement, qui sont en baisse de 3% seulement. Donc, les recettes baissant beaucoup plus que les dépenses, vous avez un effet de ciseau qui fait que le déficit, on a l'apparition d'un déficit de fonctionnement prévisionnel de l'ordre de 577 000 euros, ce qui est quand même inquiétant. Et ce qui amène sans doute, mais on n'a pas eu le chiffre, et on le demande d'ailleurs, on renouvelle notre demande de fourniture du chiffre prévisionnel de la capacité d'autofinancement, parce qu'elle doit être voisine de zéro, voire négative, ce qui est évidemment un problème également. Ne serait-ce que pour la comparer aux capacités d'autofinancement que vous avez indiquées fort justement dans le document 2020 et 2021. Ce serait assez logique d'avoir aussi le chiffre de la CAF prévisionnelle pour l'année 2022. Nous avions aussi contesté l'indication dans cette même page 8 qui était dite qu'on absorbait seulement partiellement l'excédent de fonctionnement cumulé fin 2021 de plus de 6 millions d'euros. Mais ce n'est pas une absorption partielle, et ça vous l'avez reconnu en commission, c'est une absorption totale. Ce budget prévisionnel 2022 marque très clairement l'utilisation de la totalité des excédents précédents, ce qui nous pose un problème parce que ça ne nous paraît pas raisonnable, c'est même dangereux, ça ne laisse aucune réserve pour les exercices à venir, et quand on se situe dans un cadre de vision pluriannuelle, comme ça avait été fait lors du rapport d'orientation budgétaire, il nous paraît pas raisonnable financièrement de consommer la totalité de l'excédent des années précédentes cumulé en une seule année 2022. Et il serait bien bon de garder une réserve, ne serait-ce que pour parer à d'éventuels imprévus, de nouvelles crises qui pourraient toujours survenir. Et on trouve un peu difficile d'appeler ce budget un budget de transition alors qu'on consomme, encore une fois, la totalité des réserves précédentes. Donc ce que nous préconisons, avant que Lydéric rentre dans le détail des différents points, notamment l'investissement, ce que nous préconisons, c'est une priorisation des investissements prévus en 2022 afin de se limiter dans un premier temps aux investissements vraiment urgents ou prioritaires et puis d'étaler sur les années à venir ceux qui sont moins prioritaires
ou de ne les effectuer en 2022 que s'il y a des rentrées un peu plus importantes que prévues, ne serait-ce que parce qu'il y aurait des éventuelles cessions d'actifs qui, pour l'instant, n'ont pas été identifiées au budget prévisionnel. Donc voilà les remarques générales. Et Lydéric va passer à des remarques plus dans le détail des différents postes de prévision. Je ne vais pas répondre parce qu'on va finir par perdre le fil. Sur la remarque qui concerne le document dans sa forme avec les tableaux qui font référence aux réalisés au niveau des tableaux dans le détail et pas au niveau des tableaux généraux. J'allais dire, d'abord, je voudrais remercier notre directrice générale des services, des finances, qui, quand même, il a fallu, vous le savez bien, réagir et modifier les choses rapidement. Hein. C'est-à-dire, quand on a la commission des finances, on essaye de vous envoyer, vraiment, on fait l'effort d'adresser les documents au moins une semaine avant la commission des finances qui se déroule une semaine avant le conseil municipal. Et lorsque l'on a la commission des finances, il reste très peu de temps pour modifier complètement des documents. Donc ce sont des informations qu'on prend en compte, on les prend de façon positive, et on essaiera pour l'année prochaine, on modifiera au fur et à mesure ces documents de façon à ce qu'ils soient le plus explicite possible, le plus transparent possible. Et voilà. Donc, si ça n'a pas de volonté de la part des services de cacher quoi que ce soit. Hein, je voudrais encore une fois dire justement et remercier pour la réactivité de ça. En ce qui concerne les recettes qui évoluent moins vite que les dépenses, ça, on le sait. Les recettes, eh bien, c'est le gros de nos recettes. Ce sont les recettes fiscales. On est lié évidemment à l'évolution des bases locatives, hein, donc voilà, pour les impôts locaux. Et on sait, on en a parlé, qu'on a une diminution année après année de la dotation globale de fonctionnement, donc moins 89 000 cette année. Donc évidemment, ça pèse sur les recettes. Voilà. Donc après, on l'a dit lors du rapport d'orientation budgétaire, du débat d'orientation budgétaire, qu'il fallait qu'on analyse toutes les pistes, à la fois pour augmenter les recettes et diminuer les dépenses. Augmenter les recettes, ben, il y a les coûts des services, le coût des prestations, etc. Se poser la question sur voilà, le niveau des tarifs, par exemple, ça peut être une piste de recherche. Au niveau des dépenses, on l'a évoqué tout à l'heure, très forte inflation, très forte hausse des prix qui se répercute sur l'énergie, mais pas que, qui se répercute aussi sur les approvisionnements autres, matières premières, sur les coûts des transports, sur etc., etc. En cascade, en fait, on a une évolution considérable des charges à prévoir. Donc ça, malheureusement, il y a cet effet ciseau dont vous parlez, mais voilà, à nous d'être vigilant, je dirais, sur les dépenses, de faire très attention, d'essayer de maximiser nos recettes et de trouver d'autres sources de recettes pour, évidemment, pouvoir continuer dans les années à venir à avoir une gestion saine. Alors, la mobilisation de l'ensemble des ressources de la commune ne vous paraît pas raisonnable, j'allais dire, dans le cadre de la situation actuelle. Bon, ce n'est pas une excuse, mais en 2021, le budget qui avait été présenté à l'époque mobilisait aussi l'ensemble des ressources de la commune pour pouvoir y arriver. C'est un des griefs, d'ailleurs, que nous avions fait. Donc, d'accord, OK. Mais il faut savoir aussi que nous sommes face... Pourquoi nous en sommes là également ? C'est que nous sommes face à plus d'1 700 000 euros de reste à réaliser, de dépenses engagées en 2021, qui ne sont pas de notre propre fait. Certaines sont, je ne dis pas qu'elles sont inutiles, mais voilà, il faut que nous les assumions. Donc, je veux dire, la totalité des dépenses d'investissement qui sont prévues, il faut en retirer une bonne partie, au moins un tiers, qui sont des restes à réaliser de l'année précédente et que nous assumons au titre de la continuité, j'allais dire, bien normale, de la gestion de la commune. Non,
Non, mais j'ai l'idée riche. Donc, pour démarrer sur une tonalité positive, merci donc aussi pour la commission des finances de jeudi dernier qui a permis de répondre à quelques-unes des interrogations que nous avions à la lecture du rapport. La présentation dans ce rapport nous a semblé plus conforme à la réalité que ce qui était dans le ROB, dans les premières versions du ROB. Mais quand même, tout ça pour ça. Je me souviens qu'il y a des cinéphiles parmi vous. Dans le film de Claude Lelouch, à la fin, les couples qui se sont déchirés dansent dans la salle des pas perdus du palais de justice. Tout s'arrange. Sauf que là, non. Pour Loufsienne, c'eût été nettement préférable que autant de chantiers n'aient pas été repoussés. Vous parliez de l'inflation. Tout ce qui aurait été fait avec des tarifs, les tarifs de cette année, pas les tarifs de l'an prochain. Une partie de la difficulté donc, de votre début de mandat tient à votre propre posture en 2021. Nous sommes aussi frappés par l'incohérence de votre action en l'espace de 12 mois avec le recul. Ce qui ne vous convenait pas vous va très bien maintenant. La vérité d'hier n'a plus cours et il nous faudrait tous l'accepter gentiment. Tout ce psychodrame pour finir par mettre en œuvre peu ou prou la même série de projets que nous vous avions proposé l'an dernier. La baisse des impôts, ce sera pour 2023, si possible. En attendant, et effectivement ça reprend la remarque de Pascal, les Louvciennois qui ont cru cet engagement de campagne de baisser les impôts en 2022 en sont pour leurs frais. Ah oui, c'est un budget de transition, on verra ce qu'on verra. On peut penser que, dans une certaine mesure, vous ne réalisiez pas la situation, vous en sous-estimiez la complexité. Mais gouverner, c'est prévoir. Pour parler franchement, notre confiance dans les perspectives que vous avez dessinées dans ce budget est très faible. Peut-être vous trompez-vous encore. D'autres événements imprévus peuvent survenir, nous ne savons pas. Au fond, ce que valent vos déclarations d'intention. Ce budget 2022 n'est pas clair sur les projets qu'on peut rattacher, et c'est ma première question, sur les projets qu'on peut rattacher à la gestion du patrimoine de la commune. Vos projets relatifs à l'utilisation des différents bâtiments, vos projets de rationalisation des crèches, par exemple, ils ne nous ont pas été présentés. Vous avez inscrit 205 000 euros d'études à Queduc et Villevert, mais à ce stade, nous n'en savons rien, sinon qu'il s'agira d'études environnementales et architecturales qui devront permettre d'avoir une vue d'ensemble. Est-ce que vous auriez des choses à nous apprendre sur Villevert, dont vous avez déjà répondu non, en gros, ou pas grand-chose, et aussi sur l'aqueduc. Est-ce que vous avez des choses à nous apprendre sur l'aqueduc? C'est ma deuxième question. Que prévoyez-vous donc de faire aussi avec vos grosses enveloppes, voiries et éclairage? Tous les investissements que vous proposez peuvent-ils réellement être mis en œuvre en 2022? Vous parliez d'un planning de travaux, mais ce planning de travaux, il n'a pas été présenté. La consommation de la totalité des réserves en 2022 nous inquiète également. Le financement des investissements à partir de 2023 est assez vague, alors que ces investissements seront à l'évidence matériels. Je vais prendre un autre exemple d'investissement qu'on n'a pas vu dans le budget, c'est les toitures des soudanes. C'est quelque chose manifestement qui sera à faire. Nous avons bien noté que les produits de cession du terrain aqueduc et du 2 bis rue de l'Étang n'ont pas été pris en compte dans ce budget. Mais vous savez bien qu'il ne reste plus beaucoup d'actifs à céder. Du coup, il faut nous garder, et je rejoins ce que disait Benoît, de gaspiller nos réserves. Nous avons vu les phrases sur la recherche de subventions, qui doit être accélérée et professionnalisée, et nous sommes d'accord, mais nous nous permettons d'insister sur le besoin d'un pilotage fin de cette recherche au sein même de la commune. Toujours rien. Pour terminer, dans ce budget, sur l'action sociale et la politique familiale, la culture, l'enfance, la vie scolaire, l'extrascolaire, la jeunesse, le développement. Donc, pour toutes ces raisons, donc, nous voterons contre. Et nous aimerions également, ça c'est une demande, avoir les effectifs, la répartition des effectifs par catégorie. Parce que vous avez présenté une présentation, mais ça n'est pas la présentation par catégorie qui normalement doit être donnée. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez noté les questions ou les points.
Vous voulez parler des effectifs du personnel, c'est ça? D'accord, d'accord. Oui, voirie et éclairage, je vais passer la parole à Isabelle de Tonquédec qui va apporter les éléments sur les travaux d'investissement prévus. Sur les travaux, vous dites que vous ne savez pas, mais je l'ai dit en commission finance et j'ai fait toute la liste, vous n'y étiez pas peut-être, je ne sais plus. Donc, en ce qui concerne la voirie, a été prévu pour cette année la petite rue, qui est rue de Puteleau et rue de l'Étang, avec le parking de la petite rue. Les trottoirs de la rue de l'Étang, qui ne sont pas en très bon état, notamment à partir du côté du château du pont, là, toute la descente, là, je ne sais pas comment on commence. L'allée de la Bomberge. Sans compter ce qui a déjà été fait, c'est-à-dire devant la mairie, tous les trous qui ont été bouchés, le trottoir de l'école Leclerc, donc ça c'est pour ce qui est de la voirie, l'allée des Soudanes, voilà. Et surtout tous les trous qui ont déjà été bouchés et qui, pour certains, vont être passés en plus à chaud, alors qu'ils ont été pour l'instant faits à froid, pas à cause de l'hiver. Pour l'éclairage public, on va refaire intégralement l'éclairage public de l'AD des Rougemont. On change tous les lampadaires parce qu'on ne peut pas les réparer. Ils sont plus étanches. Donc, dès qu'il y en a un qui fait un court-circuit, ça fait sauter tous les autres. Donc, on est obligé de changer les lampadaires pour faire des sortes d'interrupteurs dans les... dedans. On va refaire l'éclairage du stade, la moitié cette année, la moitié l'année prochaine, et puis sans compter ce qui a déjà été fait, c'est-à-dire le changement en LED de la rue du Général de Gaulle et de la rue de la Paix. Donc, en gros, c'est ce que j'ai en mémoire comme ça, parce que je n'avais pas préparé de liste exhaustive. Voilà. Sur les travaux, sur les études environnementales, donc j'avais déjà précisé lors du débat d'orientation budgétaire, c'est un engagement de campagne. Nous avançons très rapidement maintenant sur le SPR, puisque le dossier qui doit être transmis à la DRAC est maintenant finalisé. Ce dossier de SPR nécessitera encore plusieurs mois d'études, voire un petit peu plus. Un dossier, en règle générale, il faut à peu près 18 mois pour aboutir et en allant relativement vite. Les études environnementales précèdent ce dossier de SPR. En fait, les crédits qui sont affectés seront des crédits qui seront déduits du dossier SPR. On anticipe un petit peu en faisant des études sur deux secteurs qui sont particulièrement sensibles. Le secteur de l'aqueduc qui comporte encore des éléments patrimoniaux, qui comporte des éléments de notre patrimoine bâti et paysager très intéressants, qui méritent d'être protégés. Nous ne sommes pas à l'abri de dépôts de permis de construire sur lesquels nous ne pourrions pas agir et nous souhaitons avoir préalablement des orientations d'urbanisme afin de protéger notre environnement. L'autre étude environnementale porte sur le secteur des bords de Seine. Dans ce secteur, nous avons donc, comme vous l'avez, qu'on en a parlé tout à l'heure, l'aménagement des berges de Seine. Et vous conviendrez avec moi que tout le secteur du quai Conti n'est pas à la hauteur du reste de la commune aujourd'hui, qu'il a été un petit peu laissé de côté. Et nous avons besoin donc d'avoir des éléments pour organiser un peu mieux l'urbanisme dans ce secteur. Voilà, ce sont des études un petit peu d'anticipation par rapport au futur SPR. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je vais laisser Muriel répondre.
Il y a effectivement un audit qui a été lancé, une étude, et dont on devrait avoir le résultat d'ici un mois. Donc, ça nous permettra effectivement de l'aborder lors d'une commission et puis derrière en conseil municipal. Ça me donne l'occasion de préciser que sur tous les projets que nous lançons, à la demande de Madame le maire, nous regardons systématiquement les faisabilités d'aller chercher des subventions, que ce soit dans les au niveau départemental, régional, dans les syndicats, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et c'est notamment ce qu'on a fait dans l'environnement sur les projets de type extension de la troisième tranche des jardins familiaux. C'est également ce qui concerne la végétalisation des cours d'école. C'est des projets qui sont lancés, qui ne verront pas forcément le jour en 2022. On fera tout pour, mais si ça n'est pas possible, ça sera inscrit sur 2023. Mais ça me donne l'occasion d'en parler aussi. C'est également ce qui concerne la végétalisation, ou en tout cas l'amélioration du cimetière ancien, qui est très bétonné sur Louvciennes. C'est qui est un troisième projet, ainsi que le verger partagé dont on a déjà, enfin en tout cas qu'on a évoqué lors de la commission environnementale et pour laquelle on a déjà eu aussi quelques échanges. Voilà. Par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, le fait que l'an dernier ça consommait l'intégralité, je voudrais quand même dire que nous, on présentait un planning de réalisation de travaux et il y avait une partie des travaux qui se situait sur l'année d'après. Dans ce sens-là, l'intégralité n'était pas consommée. Je voudrais apporter une petite précision sur les demandes de subventions, donc compléter ce que vient de dire Muriel. Vous n'êtes pas sans savoir, puisque vous étiez récemment aux affaires, que des appels à projets apparaissent à peu près tous les 15 jours dans tous les sens et qu'il est extrêmement difficile de gérer toutes les possibilités, de connaître toutes les possibilités de subvention. Et dans ce cadre, la communauté d'agglomération a lancé une consultation pour sélectionner un bureau d'études qui accompagnera les communes membres dans leur recherche de subventions. Et ça va énormément nous aider. Ce sera un complément très utile aux demandes que nous faisons en interne, qui mobilisent beaucoup d'énergie et surtout qui parfois nous font passer à côté de subventions dont nous ne pouvons pas forcément connaître l'existence. Il est difficile pour nous de faire des demandes à l'Europe, par exemple, alors que par le biais de ce cabinet, en fonction de l'ampleur des projets, nous aurons des accès aux subventions qui seront largement facilités. Le pilotage se fait à notre niveau. Toutes les opérations qui sont envisagées font systématiquement l'objet de recherches de subventions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Boleslas. Oui, Madame le maire. Vous nous avez indiqué tout à l'heure que certaines sociétés, telles NormaPro, donc demandaient des avenants pour augmenter de manière importante les tarifs qui seront facturés à la mairie. Est-ce que, parallèlement, les tarifs facturés aux Louvciennois pour ce genre de prestations, restauration scolaire, maison des enfants, centre de loisirs, etc., seront augmentés cette année? Alors Stéphane Pillet a évoqué différentes pistes par rapport à l'évolution de nos recettes et de nos dépenses. La décision n'est pas prise. Toutes les pistes sont à l'étude, y compris la révision des tarifs. Vous parlez des tarifs de restauration scolaire. Je crois qu'ils n'ont pas été révisés depuis 2018. Alors dans tous les cas, il faudra de toute façon les réviser. Mais le niveau de révision fera évidemment l'objet d'une étude fine et d'un partage d'informations avec chacun d'entre vous. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote.
Je vous propose donc d'adopter le budget de la manière suivante et conformément au tableau ci-dessous, le budget primitif de la commune pour l'année 2022 pour les dépenses et les recettes. Dépenses de fonctionnement, 18 172 430,27 euros. Recettes de fonctionnement, 18 172 430,27 euros. Dépenses d'investissement, 7 953 926,37 euros, dont 1 577 908,97 euros de reste à réaliser. Recettes d'investissement, 7 953 926,37 euros. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Le budget 2022 de la commune est adopté. Stéphane, je te repasse la parole pour le budget, pour la subvention du Centre communal d'action sociale. Page 10. Alors, la subvention au Centre communal d'action sociale. Après lecture et débat sur le rapport de présentation du budget primitif 2022, transmis aux conseillers municipaux avec l'ordre du jour, le conseil municipal fixe le montant de la subvention au Centre communal d'action sociale, conformément au tableau ci-dessous. 1 320 000 euros. Oui, cette subvention, donc le budget du Centre communal d'action sociale a été adopté il y a deux jours, sous réserve, bien évidemment, de la validation de la subvention par le conseil municipal. Cette subvention est comparable à celle de l'année dernière. Son montant est identique. Le budget a été adopté à l'unanimité. Les dépenses sociales ne faiblissent pas et le niveau de service à la population reste tout à fait identique. Oui. Pour les syndicats intercommunaux, on a à certains moments des présentations du rapport annuel. Pour le CCAS, est-ce qu'il est envisageable d'avoir une reddition des comptes en conseil municipal ? Autrement dit, on dit ce qu'on a fait de ces 1 320 000. Enfin, là, forcément, pas pour le budget, hein, on est d'accord, mais pour l'année précédente, dire qu'est-ce qu'on a fait de ce budget ? Alors, ce n'est pas prévu par la loi, mais c'est tout à fait possible. Le budget du CCAS est un budget public. À partir du moment où il a été voté, il est à disposition de chacun. Même si vous ne faites pas partie du conseil d'administration, vous pouvez avoir communication du document qui a été présenté au conseil d'administration. Non, c'est une présentation détaillée du même type que celle qui figure dans le document. Marc qui veut. Donc le budget du CCAS, il est en ligne sur la mairie quand il est voté. Donc si on vote la subvention, normalement il devrait être en ligne comme il a été, puisque c'est un EPCI. Normalement, il sera en ligne. Ça a été fait les autres années aussi. Par contre, après le compte administratif, il faut aller peut-être le demander dans les services, si vous voulez avoir le détail de ce qui était. Voilà. Mais sans doute que dans le budget, généralement, on met le réalisé généralement. Je ne sais pas si le contenu existe. C'est pas un document qu'on présente habituellement en conseil municipal. C'est pas prévu par les textes, mais il est bien évidemment tout à fait communicable.
S'il n'y a pas d'autres questions sur la subvention du CCAS, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération suivante concerne le vote des subventions aux associations et la participation à l'OGEC. Oui, donc vous avez dans le document, page 13, la liste des associations concernées et le montant des subventions. Donc il nous appartient évidemment au niveau du conseil municipal de voter ces subventions. Il n'y a pas, mis à part pour les chœurs de Louveciennes, le comité du jumelage et une nouvelle association qui s'appelle Women Safe, il n'y a pas de variation du montant des subventions par rapport à celle de l'année dernière. Au total, donc, vous avez, je redis, pour le GEC, 90 000 euros pour la partie maternelle et la partie élémentaire, 80 000 euros. Voilà. Au total, le montant des subventions cette année par rapport aux autres années, on a sorti, je dirais, pour voter séparément un certain nombre de subventions aux associations les plus importantes comme l'ASL, la Maison Julien Quint et l'Académie Gabriel Fauré qui ne sont pas dans cette liste-là et qui font l'objet d'une autre délibération. D'autres délibérations. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Women Safe, qui est nouvelle, mais je note également une autre association qui doit être nouvelle, qui est Andy Val-de-Seine, une autre association qui s'appelle VMEH. Donc ça, j'imagine que ce sont de nouvelles associations. Il y a une subvention qui diminue, qui est le Castel Club qui passe de 1 500 à 1 000 euros. D'ailleurs, ça m'interroge un peu sur le différentiel avec l'autre association de tennis, qui est le Tennis Club des Soudanes, qui perçoit presque plus de trois fois la subvention du Castel Club, alors que ce sont des clubs à peu près comparables. Alors, juste la différence de subvention des deux clubs, c'est que le Castel Club utilise le gymnase le samedi matin. Voilà, tout simplement. Donc c'est une subvention en nature, si je puis dire. Bon. Concernant l'association Women Safe, c'est la première fois que cette association a une subvention, mais c'est une subvention qui accompagne les personnes qui subissent des violences, les femmes notamment. Voilà. Elle existait aussi en 2019, donc il n'y avait pas eu de demande de subvention. Oui, mais dans les subventions, voilà. Autre question, pardon, sur les subventions, sur ces petites subventions. S'il n'y en a plus, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Pascal s'abstient. Je vous remercie, la délibération est adoptée. Donc, comme vous l'a dit Stéphane Pillet, nous vous proposons d'adopter des délibérations particulières pour des associations qui bénéficient de subventions substantielles, dont l'Académie Gabriel Fauré. Donc le montant de la subvention que nous proposons pour l'Académie est de 100 000 euros. C'est de 100 000 euros. Une subvention complémentaire de 20 000 euros sera soumise à communication du résultat d'objectif inscrit dans la convention et fera l'objet d'une nouvelle délibération. Donc, il y a une part fixe de 100 000 euros et une part qui sera un complément de subvention de 20 000 euros qui sera versé en fonction des objectifs, comme je vous l'ai indiqué, portés dans la délibération. Ce montant correspond à la demande de l'association. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
La même démarche est suivie pour l'association sportive de Loucienne. Le montant de la subvention proposée est de 30 000 euros et le versement d'une subvention complémentaire de 10 000 euros sera soumis à la communication du résultat des objectifs inscrits dans la convention et fera l'objet d'une nouvelle délibération. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vous remercie. On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient ? La délibération est adoptée. Même état d'esprit. La subvention, l'acompte sur subvention qui vous est proposé d'adopter est de 80 000 euros. Et le versement d'une subvention complémentaire de 40 000 euros sera soumis à la communication du résultat des objectifs inscrits dans la convention et fera lui aussi l'objet d'une nouvelle délibération. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui ? Donc, d'abord, je voulais m'étonner un petit peu de la présentation de cette délibération. Il est écrit BP 2021, 110 000 euros. Bon, l'an dernier, la délibération qui a été passée au même moment n'était pas de 110 000, elle était de 140 000. Donc, je voudrais dire que cette présentation ne paraît pas exacte. Ça, c'est le premier point. Donc, en réalité, on propose de passer de 140 000 à 80 000 cette fois-ci. Alors, il y a 80 000. Je dis bien, dans le cadre, au moment du budget, la délibération qu'on nous propose, c'est il y avait 140 000 l'an dernier. Actuellement, c'est ce qu'il y avait dans la même délibération à la même époque, enfin, sauf que c'était en juin, mais c'est pas grave. C'est-à-dire sans condition, voilà. Et cette fois-ci, 80 000 euros. J'insiste sur la présentation. Voilà. Alors, après, le deuxième point, en fait, c'est que je voudrais demander un petit peu qu'est-ce qui se passe si jamais, ils n'obtiennent pas la subvention de la CAF. Moi, ce que je comprends, je suis pas dans l'association, mais ce que je comprends, hein, c'est que c'est important pour la CAF qu'il y ait un engagement de la commune derrière l'association. Là, avec un signe comme ça, c'est le contraire qui se passe, c'est un désengagement de la commune. Bon. Je vais lister, si vous voulez bien, mes questions et mes points, et puis après, je vous demanderai de bien vouloir répondre là. Donc, après, on a une augmentation de la part qui est conditionnée. Hein, et ça revient en réalité à fragiliser cette association et aussi les mettre dans le doute, parce que concrètement, ce sont des recettes qu'ils ne vont pas avoir. Alors, en réalité, compte tenu du fait que leur exercice est décalé, ça veut même dire qu'il va y avoir, il y aura pas, la subvention pourra être que à ce niveau-là, dans leur compte de cette année, et pas la part complémentaire, ce sera pour l'an prochain, ce ne sera pas pour cette année. Alors, après, je voudrais donc alerter sur le fait que la conséquence d'avoir une subvention inférieure, ce sera d'avoir un recul de l'offre aux Louveciennois, hein, en termes d'accueil jeunesse et puis également d'aide aux devoirs. Donc, je voudrais savoir comment la mairie voit les choses à ce niveau-là. Je voudrais rappeler qu'en 2016, la subvention de la MJC avait été préservée parce que la commune, à ce moment-là, a donné la compétence jeunesse. Les mots ne sont pas exacts, excusez-moi, mais le pilotage de la jeunesse s'est fait entièrement dans le cadre de l'association. Voilà. Donc, je voudrais savoir comment est-ce que la commune voit les choses. Voilà,
C'est tout. Oui, alors je voulais préciser que la démarche était exactement la même que celle suivie pour les autres associations. Alors, il y a une erreur, effectivement, dans le montant de la subvention 2021, oui, vous avez raison. Elle n'était pas de 110 000 euros, elle était de 140 000 euros. C'est une erreur. Voilà. Donc, au niveau de la démarche, aujourd'hui, nous proposons 80 000 avec un complément de 40 000. Et la subvention de la CAFI n'est absolument pas liée à l'engagement de la commune, comme cela nous a été dit. Nous sommes en relation avec la caisse d'allocation familiale. Quand on fait une demande et qu'elle est complète, si on remplit les objectifs assignés par la caisse d'allocation familiale, on reçoit les subventions. C'est le cas auprès de tous nos partenaires financiers. L'association ne sera pas fragilisée puisque nous sommes appelés à nous revoir avec Stéphane Gros. Nous sommes convenus de nous revoir rapidement. Je dois quand même vous dire que la demande de subvention qui nous a été transmise était totalement incomplète, que j'ai demandé à trois reprises à rencontrer le président de l'association entre mi-février et le 31 mars dernier, que je n'ai reçu la demande de subvention partiellement complète qu'en début de semaine, c'est-à-dire après l'envoi du budget, mais que cela n'empêchera pas que nous travaillions ensemble dans l'intérêt des jeunes Louciennois. Donc nous nous donnons une première phase, nous avons décidé de travailler ensemble sur un projet jeunesse qui corresponde aux attentes des adolescents et des jeunes Louciennois. Il n'y aura pas de recul de l'offre, il n'y aura pas du tout de recul de l'offre. L'aide au devoir est maintenue et nous réexaminons comment nous pouvons répondre au mieux aux attentes. Je ne vois pas d'autre chose à vous répondre parce que là, aujourd'hui, nous sommes en discussion. Donc, moi, je vais juste dire que j'avais organisé une commission finance dédiée aux associations. Nous constatons que les bonnes fées, quelque part, qui ont participé à la commission finance ne sont plus véritablement autour du berceau. Enfin, c'est notre analyse. Voilà. Et nous dénonçons une sorte d'acharnement contre cette association. Donc, on votera contre. Je veux bien vous rencontrer en dehors du conseil municipal, pour évoquer le sujet. Et je pense que nous tomberons d'accord sur la position qui est prise aujourd'hui qui est présentée aujourd'hui au conseil municipal. Je propose de passer au vote s'il n'y a pas d'autres questions. Qui s'abstient ? Qui est Pascal Leprêtre ? Qui est contre ? D'accord, 6. Je vous remercie, la délibération est adoptée. Après lecture et débat sur le rapport de présentation du budget primitif 2022, transmis aux conseillers municipaux, le maire propose au conseil municipal de procéder au vote des taux d'imposition 2022. Dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale et de la suppression de la taxe d'habitation pour les résidences principales, les communes bénéficient à partir de l'année 2021 du transfert du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties, taux de 11,58%. Le transfert du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties, accompagné de l'application d'un coefficient correcteur, doit assurer la neutralité de la réforme de la taxe d'habitation pour les finances des communes. Conformément à l'article 1636B, du Code général des impôts, le Conseil municipal vote chaque année les taux de la fiscalité directe locale par une délibération spécifique distincte de celle du budget, et ce, même si les taux restent inchangés. Il est proposé le maintien des taux de taxe foncière, soit un taux de 23,98% sur le foncier bâti, 12,40% pour le taux communal, plus 11,58% pour le taux départemental.
et un taux de 69,5% sur le foncier non bâti. Y a-t-il des observations ? Je vous propose donc de passer au vote de cette délibération. Qui est contre ? Une personne contre ? Qui s'abstient ? Je vous en remercie. La délibération est adoptée. Stéphane, tu présentes la délibération. Donc, délibération suivante, provision pour risques et charges, taxe additionnelle au droit de mutation. Deuxième provision, la commune de Louveciennes est en litige avec les services de la direction départementale des finances publiques des Yvelines dans le cadre de leur demande de restitution de taxe additionnelle au droit d'enregistrement de 1 127 329 euros qui fait suite au jugement du TGI de Versailles prononcé le 5 juillet 2018 en faveur de la société LD Investissement. La durée de la procédure concernant le litige a été évaluée à 6 ans par le service juridique. La provision 2022 pour cette affaire sera de 150 000 euros. Comptablement, la création de cette provision se matérialise par le débit du compte 6815, dotation aux provisions pour risques et charges de fonctionnement courant, en dépenses de fonctionnement, régime des provisions semi-budgétaires. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Oui, Monsieur Nussbaumer. Oui, nous ne comprenons pas bien la logique de cette diminution. S'il faut étaler ça sur 6 ans, pourquoi est-ce qu'on passe de 300 000 à 150 000 ? Il y a quelque chose qui nous échappe, là. Alors, je crois que je vous ai répondu, parce que la question a été posée au moment de l'étude du rapport d'orientation budgétaire. C'est une somme qui est mise à la charge de la commune de façon assez insolite, puisqu'il s'agit d'un droit de mutation qui a été perçu en 2001, dont la commune n'a pas eu connaissance du contentieux pendant 18 ans. Et subitement, les services fiscaux envoient un jugement, et c'est même pas le cas. Ça a été par hasard que la directrice générale des services a interpellé un jugement qui mettait à la charge de la commune une somme de 1 127 329 euros. Donc vous comprenez que dans ces conditions, nous irons jusqu'au bout de la procédure judiciaire. Parce qu'on ne peut pas accepter de rembourser cette somme qui a évidemment été dépensée 18 ans après son encaissement et sans aucune alerte aux élus des différentes mandatures. Pas sûr d'avoir eu la réponse à ma question. Pourquoi 300 000 l'an dernier et 150 000 cette année ? Parce qu'il nous a semblé que nous pouvions étaler cette charge qui représente une dépense pour la commune, que nous sommes obligés de provisionner et que il faudra plus de 6 ans pour régler le problème, j'en suis sûre. Quand nous savons combien pour récupérer les 1,7 million qui étaient bloqués, il a fallu plus de 10 ans, je pense que la procédure risque d'être très longue et que nous aurons encore plusieurs années pour créditer le montant total de cette somme. Il y a d'autres questions ? Il n'y a pas d'autres questions ? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Oui, d'accord, merci. Qui s'abstient ? La délibération est adoptée. Compte de gestion du trésorier principal, exercice 2021, budget de prestation de services pour la communauté d'agglomération Saint-Germain-Boucle de Seine. Alors, le Code général des collectivités territoriales prévoit que chaque année, une délibération sur le compte de gestion, budget de prestation de services de la CASGBS, de l'exercice précédent présenté par le receveur municipal doit être prise en conseil municipal afin de confirmer sa conformité au compte administratif établi par l'ordonnateur. Le 1er janvier 2020, les compétences eau pluviale et assainissement ont été transférées à la communauté d'agglomération de Saint-Germain-Boucle de Seine. Le budget annexe assainissement a donc été clôturé et un budget de prestation de services a été créé.
Dans ces conditions, la commune est chargée du suivi administratif et technique des compétences transférées. Elle prend au nom et pour le compte de la CASGBS toutes les actes nécessaires à l'exercice de ses compétences, dont le ROB, budget primitif, et compte administratif. Les écritures s'effectuent en équilibre. Un mandat égale un titre envers la CSG, la communauté d'agglomération, un titre égale un mandat de reversement vers la CASGBS. Les dépenses sont donc égales aux recettes, il ne peut donc y avoir de résultat. Les comptes établis pour l'année 2021 par le trésorier principal présentant les mêmes résultats que ceux du compte administratif, à savoir budget de prestation de services de la CASGBS, excédent d'investissement 0 euros, reste à réaliser 0 euros, excédent de fonctionnement 0 euros, excédent total 0 euros. Et n'appelant ni observation ni réserve de sa part, il est proposé au conseil municipal d'approuver le dit compte de gestion. C'est une délibération. C'est le deuxième épisode du transfert de l'assainissement à la communauté d'agglomération. C'est une délibération un petit peu insolite que nous vous proposons, hein, puisque nous vous proposons d'approuver qu'il y a zéro. Le budget présente un solde égal à zéro. Bon, je pense que tout le monde est d'accord pour approuver cette délibération et je vous en remercie. De la même manière, il convient d'adopter le compte administratif, toujours pour la prestation de services de la communauté d'agglomération. Saint-Germain, boucle de Seine, est-ce que je relis ? Oui. Donc, après lecture et débat sur le rapport de présentation du compte administratif 2021, transmis aux conseillers municipaux avec l'ordre du jour, le maire propose au conseil municipal d'arrêter le compte administratif du budget de prestation de services de la CASGBS pour l'exercice 2021. Le 1er janvier 2020, les compétences eau pluviale et assainissement ont été transférées à la communauté d'agglomération, comme nous l'avons dit précédemment, de la CASGBS. Le budget annexe assainissement a donc été clôturé et un budget de prestation de services a été créé. Dans ces conditions, la commune est chargée du suivi administratif et technique des compétences transférées. Elle prend au nom et pour le compte de la communauté d'agglomération tous les actes nécessaires à l'exercice de ses compétences, dont le ROB, le budget primitif et le compte administratif. Il est précisé que les documents financiers dans leur intégralité sont tenus à disposition des conseillers municipaux au secrétariat général. Donc je te laisse lire les chiffres. Ah, s'il faut que tu ressors. Oui, c'est un compte administratif, donc... à cette partie-là, tu vois. Oui, bah, tu, non, tu relis pas tout, tu relis là. Le considérant, là. Donc, le compte administratif exercice 2021, budget de prestation de services de la communauté d'agglomération Saint-Germain-Boucle-de-Seine, CASGBS. Considérant nécessaire la délibération du Conseil municipal sur le compte administratif du budget de prestation de services de la CASGBS pour l'exercice 2021 avant le 30 juin 2021. Sa commission des finances consultée en date du 6 avril 2022, après en avoir délibéré, arrête le compte administratif de l'exercice 2021 du budget de prestation de services de la CASGBS qui se résume comme suit. En dépenses, les sections de fonctionnement, 392 113,88 euros. Section 1 d'investissement, 0. Excédent total, il n'y en a pas. En recettes, les secteurs, sections de fonctionnement, 392 113,88. Section d'investissement, 0. Résultat solde, 0. Y a-t-il des questions ? On va passer au vote, si vous le voulez bien. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. C'est arrêté. L'autre. Oui, c'est lui. Ah.
D'accord. Très bien, je vous propose la délibération suivante. Le dispositif des certificats d'économie d'énergie a été créé par la loi du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique. Toute personne visée à l'article L221-7 du Code de l'énergie, dont l'action engendre des économies d'énergie, peut obtenir en contrepartie des certificats d'économie d'énergie dès lors que le volume d'économie d'énergie réalisé atteint le seuil d'éligibilité. Ainsi, les collectivités territoriales, maîtres d'ouvrage d'opérations d'économie d'énergie, peuvent déposer auprès du pôle national des certificats d'économie d'énergie ces demandes de certificats. Conformément à la loi numéro 2015-992 du 17 août 2015, les personnes éligibles peuvent se regrouper et désigner l'une d'entre elles qui obtient pour son compte les certificats d'économie d'énergie correspondant à l'ensemble des actions de maîtrise de demande de l'énergie qu'elles ont chacune réalisées. Compte tenu de l'expertise du CEI en matière d'énergie, donc le CEI, c'est le syndicat d'économie d'électricité des Yvelines en matière d'énergie, et dans le cadre de ses compétences d'autorité organisatrice de la distribution de l'électricité, au titre de l'article L2224-34 du Code général des collectivités territoriales, le CEI, dont Louveciennes est membre, assure une mission de maîtrise de la demande en énergie sur le territoire de ses communes. Le CEI agit dans le cadre de cette mission en intervenant comme regroupeur afin de promouvoir et mettre en œuvre le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Il permet ainsi aux collectivités adhérentes qui peuvent en pratique avoir des difficultés à conduire seules la démarche de valorisation des certificats d'énergie ou atteindre les seuils réglementaires de valoriser leurs opérations éligibles. Par délibération en date du 18 avril 2013, le CEI a mis en œuvre un service de regroupement des certificats d'économie d'énergie qui comprend le recensement des opérations éligibles, le montage des dossiers administratifs, le dépôt des demandes auprès des instances, le suivi des dossiers jusqu'à l'obtention des certificats, une veille économique et technique sur le sujet, la revente en temps utile des certificats d'économie d'énergie obtenus, le versement du produit de ces certificats aux communes. Considérant que le dispositif de valorisation des certificats d'énergie par le CEI permet d'obtenir un financement complémentaire des opérations de rénovation énergétique réalisées par la commune, donc nous vous proposons de décider de conclure une convention de valorisation des certificats d'énergie avec le CEI afin de bénéficier des financements correspondants et de m'autoriser à signer ladite convention. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui ? Juste deux questions de compréhension. On a compris de quoi il s'agit. On a compris que c'est le bon cadre pour le faire. Par contre, quel est l'ordre de grandeur du gain qu'on peut espérer sur une année, on va dire 2022 ou je ne sais quoi? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est sur quel projet ça s'applique? Quels projets peuvent générer des certificats d'économie d'énergie? C'est la parole à Jean-Dominique, qui est un spécialiste de la question. Oui, alors... Le montant sera proportionnel aux opérations qui seront réalisées. Chaque opération fait l'objet d'une, ce que l'on appelle une fiche d'opération standardisée, c'est-à-dire la réfection d'un éclairage public, ça vaut tant, le changement d'une chaudière par une pompe à chaleur, ça vaut tant, le changement la mise en place d'une isolation, ça vaut tant, etc., etc. Donc, il est absolument impossible de vous donner un montant, mais ce système permet de minimiser et de réduire le reste à charge pour la commune lors de ses opérations d'économie d'énergie. Est-ce que j'ai répondu à votre interrogation ? Alors, je peux vous dire, il existe
ne croyez pas cela. Vous avez très certainement vu pour les particuliers, c'était il y a un an, deux ans, les chaudières à 1 euro, les isolations à 1 euro. Donc ne dites pas que c'est très faible. Ça peut représenter jusqu'à quasi 100% de l'investissement réalisé. Et quant aux opérations, je ne peux que vous conseiller d'aller sur le site du ministère de la Transition écologique. Il doit y avoir environ 600, si ma mémoire est bonne, fiches d'opérations différentes qui vont de l'isolation de tuyauterie, je vous en ai cité certaines, une qui ne risque pas d'arriver malheureusement à Louveciennes, c'est l'isolation des fûts de stockage de lait. Voilà, c'est extrêmement varié. Ah non, non, c'est valable pour les particuliers, pour les collectivités. Non, non, c'est valable pour les particuliers, c'est valable pour la commune, pour les collectivités, pour les industries. Tout le monde peut obtenir ces certificats, enfin profiter de l'obtention de ces certificats d'économie d'énergie. En fait, sur la ville de Louveciennes, ça va consister à un travail de fourmi. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point on va le faire, honnêtement, hein, sincèrement. Il faut reprendre 700 factures qui ont déjà été émises, qu'on a déjà réglées depuis juin 2021. Et voir si elles sont éligibles au certificat d'économie d'énergie. Donc, c'est aussi bien le changement de quatre pneus, parce que si on a utilisé tel modèle de pneu, ben on aura droit à un pourcentage, à un type de certificat d'isolation, comme on disait. Ça peut être énormément de choses. Donc, il faut qu'on reprenne les factures. On se met à trois dessus. Et on va voir dans quelle mesure on peut... Est-ce qu'on va éliminer les plus petites en disant le jeu en vaut pas la chandelle parce que ça va être beaucoup de travail? Est-ce qu'on va prendre que les grosses? On n'a pas encore défini de politique pour le faire. Mais en attendant, on avait besoin de voter cette disposition pour pouvoir entreprendre ce travail de fourmi. Quel que soit le volume de travail, nous ne nous priverons pas de pouvoir encaisser une recette, fût-elle relativement faible. Nous n'avons pas les moyens de ne pas les solliciter. Mais c'est un gros travail. Mais vous avez raison de le signaler, parce que nous avons recensé le nombre de factures en début de semaine. Là, on s'est posé la question en début de semaine, parce que nous avons rencontré le C il y a une dizaine de jours. Nous avons évoqué cette question de certificat d'énergie. Et donc, du coup, nous avons immédiatement vu quelles étaient les factures qui pouvaient, enfin, le sens de notre recherche et le volume de factures à rassembler pour pouvoir bénéficier de ces certificats d'économie d'énergie. Je vous propose de passer au vote. S'il n'y a pas d'autres questions, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Je vous propose maintenant de passer de m'autoriser à signer avec le Conseil départemental des Yvelines la convention Pass Yvelines Résidence pour la création de la résidence intergénérationnelle de 44 places située rue du Général Leclerc. Donc, Yvelines Résidence est une démarche du Conseil départemental des Yvelines qui a été mise en œuvre sur la période 2013-2021 qui vise à développer une offre de logement adaptée au public cible de département, que sont les étudiants, les jeunes chercheurs, les jeunes actifs et les apprentis, les seniors autonomes, les personnes en situation de précarité et les personnes souffrant d'un handicap psychique et mental. Yvelines Résidence apporte, sur la base d'un plan de développement négocié avec un EPCI, c'est-à-dire pour nous, c'est la communauté d'agglomération, donc une aide financière appelée PASS, aux maîtres d'ouvrage qui mettent en œuvre des opérations de logement et de résidence adaptées pour les publics spécifiques dont les orientations sont préalablement définies par le conseil départemental, la CA, donc la communauté d'agglomération, et la commune d'implantation du projet. Le présent PASS concerne la réalisation sur la commune d'une résidence intergénérationnelle, donc il s'agit de l'opération Godet, hein, donc d'une opération de 44 logements locatifs sociaux
dont 5 logements existants rénovés et 39 en construction neuve. Parmi ces logements, 10 sont financés en prêt locatif. Le PLAI, c'est prêt locatif pour les personnes les plus défavorisées. En plus, c'est du PLA, c'est du logement social traditionnel, et le PLS, c'est du logement social un petit peu haut de gamme. Cette opération, donc 11 logements en PLS, cette opération constitue l'une des déclinaisons opérationnelles du contrat Yvelines Résidences établi entre la communauté d'agglomération de Saint-Germain-Boucle-de-Seine et le conseil départemental des Yvelines. Si le projet architectural prévoit la construction de 44 logements sociaux et d'une salle commune, le projet social, quant à lui, a pour objectif de favoriser l'autonomie des personnes âgées ou handicapées et de développer le lien intergénérationnel dans l'habitat social. La résidence accueille des seniors ou personnes à mobilité réduite autonome, ainsi que des familles et des jeunes actifs. Afin de favoriser le maintien à domicile des seniors, l'un des enjeux consiste à développer des réseaux d'entraide et de solidarité, de proximité, et d'éviter ainsi des situations d'isolement. Afin d'atteindre ces objectifs et d'apporter un accompagnement au plus proche des résidents, donc l'immobilière I3F a sélectionné le Paris Solidaire, donc c'est une association francilienne du groupe SOS Senior qui est spécialisée dans l'animation des résidences intergénérationnelles. I3F est en conséquence maître d'ouvrage de l'opération et le Paris Solidaire, donc cette association, sera l'animatrice du projet social. La subvention allouée par le conseil départemental pour la réalisation de cette résidence est de 440 000 euros, soit 10 000 euros par place. Le conseil municipal est invité à approuver les termes de la convention Passiveline Résidence, donc pour la création de cette résidence intergénérationnelle, et de m'autoriser à signer la convention ainsi que ses éventuels avenants. Donc c'est une somme qui est directement versée au bailleur social, à I3F, qui ne transite pas par la commune, mais qui permet la réalisation de cette résidence qui, je dois le dire, sera une belle réalisation qui a été bien pensée en amont. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Il y a encore une délibération. Non, je crois qu'on arrive au bout. Écoutez, nous sommes arrivés au bout de l'ordre du jour du Conseil municipal. Maintenant, je ne sais pas si vous avez des questions sur les décisions. Pascal, vous avez une question? D'accord. Oui, une question sur les décisions numéro 31 et numéro 50 qui concernent des contentieux. Je voulais savoir de quel contentieux il s'agissait. Contentieux d'urbanisme, visiblement. 31 et 50. Alors, en fait, il s'agit de prestations de conseil. Il s'agit de prestations de conseil pour la 31 et pour la 50. C'est également une prestation de conseil pour un marché public. Non, il y en a une qui concerne une affaire, une autre affaire. Non, mais des dossiers, un dossier. Oui, vous pourrez venir. On la tient à votre disposition. Je pense même qu'elle est ici, la décision.
Ils étaient importants. Ah ben, selon. C'est le même avocat et elle a augmenté ses tarifs. Alors voilà, vous avez la réponse. C'est le même avocat qui a augmenté ses tarifs. Voilà. Vous avez l'explication. Non, ça n'a pas encore de rapport, mais vous voyez, on n'a pas attendu. Très bien, s'il n'y a pas d'autres questions sur les décisions, est-ce qu'il y a des questions autres ? Oui ? J'ai une question de nouveau venu au conseil municipal. Toutes ces décisions, il y a une date qui est mise, qui est la date de la décision, mais elles font référence à des accords qui ont été donnés en conseil, qui ont été donnés, qui sont dans le cadre du budget. On a du mal à faire le lien entre la décision et puis l'inscription à un budget ou... Je comprends. Les décisions sont issues de la délibération qui est prise en début de mandat et qui, par laquelle vous me déléguez la possibilité de prendre certaines décisions dont vous avez connaissance, lors des conseils municipaux. Donc, une fois que j'ai signé le contrat, il est envoyé au contrôle de légalité et au moment où il revient du contrôle de légalité, il est inscrit en annexe pour information. Mais je comprends, parce que ça se rapporte, toutes ces décisions se rapportent à des points qui ont été budgétés, pour lesquels des crédits ont été ouverts, bien évidemment, et vous les avez donc pour information. Et vous pouvez venir consulter les décisions, bien évidemment. Oui, merci pour cette réponse. Ceci dit, Il est fait état, si j'ai bien compris, dans le cas particulier de la maison médicale, de surcoût, d'augmentation par rapport à des devis initiaux. Et ça, c'est... Qui est-ce qui approuve ces dépassements ? Alors, les entreprises nous proposent nous demandent pour poursuivre les travaux. En l'occurrence, à la maison médicale, il y a eu un problème sur les fondations. Un problème sur les fondations. Et nous avons dû faire intervenir une entreprise pour poursuivre le chantier. Donc, nous prélevons sur les budgets, sur les crédits d'investissement qui ne sont pas affectés à une opération en particulier, hein. Cette somme viendra en moins sur les crédits d'investissement, bien entendu. Mais nous n'avons pas le choix, sinon le chantier est interrompu. Et ça permet de poursuivre le chantier, de ne pas avoir besoin d'attendre le prochain conseil municipal. Oui, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur l'avancée des contentieux en cours, s'il vous plaît ? Alors, je pourrais vous donner un point, mais je vous demande le temps de rassembler les informations et nous vous communiquerons, nous vous ferons parvenir un point sur les contentieux. Je n'ai pas la liste ici. Hein. Et puis, et merci beaucoup. Allez, Déric, pardon. Tout à l'heure, vous avez parlé de la loi SRU et c'était 138, et puis tout d'un coup, ça devient 40, etc. Bon, je pense que ce serait utile de partager cette information. Alors, je sais que c'est... Il y a la législation qui change, le cadre, etc. Il y a des choses qui sont négociées. À titre personnel, ça m'intéresserait de connaître l'évolution de la contrainte pour la commune. Voilà, donc ma demande, c'est peut-être dans le cadre de la commission urbanisme ou dans un autre cadre qu'on puisse aborder ce sujet. Vous avez tout à fait raison et nous l'avons prévu. Nous en avons discuté la semaine dernière avec Christian Perciot. Et il y aura une commission urbanisme au cours de laquelle ce point-là vous sera présenté, ainsi que d'autres points d'urbanisme. Tout à fait raison.
Il y a eu des assouplissements, comme je vous le disais tout à l'heure, la loi 3DS, qui a un petit peu détendu les obligations. Elle ne les a pas supprimées, elle a simplement donné un petit peu plus de temps pour les réaliser. Et vous aurez le détail des opérations qui sont aujourd'hui programmées et celles qui sont en perspective dans le cadre de la commission d'urbanisme. Alors, je peux dire bonsoir à tous maintenant. Voilà. Et merci.